Et bonsoir le monde, bonsoir les gens, comment est-ce qu'ils vont? Moi je vais bien, c'est nickel chrome. Et juste là, il y a une petite chatte mignonne. En boule, regardez là, si elle est pas mignonne, comment elle se lèche, elle est trop elle se lèche plus. Ecstasy! Ecstasy! Et son fouet d'or. Hello Harper, hello Loupi, hello en schnaps, comment est-ce que les gens vont? Une petite chatte là, juste, elle est trop chou. On n'a pas pour habitude de te voir dans le coin en schnaps. Comment vas-tu? Bien. En attendant, on va lancer le Guess the Game. Normalement, c'est ça. Tac. Et ça, c'est... Allo Rich sans aucune hésitation. C'était pas Allo Rich? Alors, c'est Allo 4. C'est un Allo, j'en suis sûr. C'est pas un Allo? Ça ressemble beaucoup à un Halo, ça. Ah, à moins que... Non, c'est pas le 3. Je crois que ça serait le 3. Non, PC, Xbox 3... Bah, peut-être le 3, alors. Ah, ODST, peut-être. D'accord, donc c'est du Mass Effect, alors. En fait, je sais pas, j'ai jamais joué au Mass Effect. Action, roleplay, third person shooter, ça doit être Mass Effect. Oh, je suis trop deck, je pensais... J'étais trop chaud. Je pensais que c'était du... Je suis con, il m'aurait dit... Ah oui, donc c'est bien de la franchise Mass Effect. C'est pas de la franchise Halo. Donc Mass Effect 2, alors. Ou Andromeda. Je sais pas, j'ai jamais joué à Mass Effect. Mass Effect 2, c'était le 2. Je suis full deg. Et pourtant, ce petit symbole, là, le petit symbole rouge ici, il me faisait vachement penser à du Halo. Ça me faisait penser à une map, mais j'étais certes un petit peu curieux qu'il y ait des pneus ici. Mais ouais. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Ça me dit quelque chose, ça. Ça me dit quelque chose. Mais je sais plus quoi. Qu'est-ce donc cela? Dans les années 2010, 2012. Graphiquement, ouais, ça pourrait. Alors, 2016 grand max, je dirais. Project Playtime, allez. Ouais, on va essayer. Project. Playtime. Et ben, il n'y a pas de ça. Ok. Il n'y a pas de Project Playtime. Qu'est-ce que cela? Qu'est-ce que c'est que c'est que c'est que cela? Qu'est-ce donc cela? Bon, on va skip, on va bien voir. Qu'est-ce que c'est que ça? TF2? Non. Ah, peut-être. Je vais tester, mais j'y crois vraiment pas. Bah, c'était TF2, ok. Là, j'aurais reconnu. Mais c'est peut-être pour ça que ça me disait quelque chose. Un shooter, évidemment, hein. 2007. Eh ben, j'ai. Je l'aurais eu, mais tu l'as eu avant. Oh putain, mais ça aussi, ça me parle. Là... Je saurais pas dire.
Je me demande si ce serait pas Speedrunner, mais j'ai un doute. Non. Je suis sûr y avoir déjà joué à ce truc-là. Mais alors, on va savoir ce que c'est. Ça te dit quelque chose, ce logo? Je suis pas le seul à qui ça me dise quelque chose. Et un ha! Ha! Des menottes, un ha! Ici. Alors, j'en sais fichtre rien. Fichtre rien, les amis! Soixante-quinze en métacritique. Plateforme PC. Donc ouais, non, je pense pas y avoir déjà joué. Là, ça me dit vraiment plus rien. Ça ne me dit plus rien, plus rien, plus rien, plus rien. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça serait pas... Non, stratégie base building. Le tycoon, un tycoon... Ouais, un tycoon? Ah, peut-être bien. Et t'inquiète pas, t'as le droit de dire des insultes tant que c'est pas à l'égard de quelqu'un d'autre. Oui, mais j'y pensais. Je me demande si le JDG, il y a pas déjà joué. Ouais, il avait fait une vidéo là-dessus, c'est bien ce qui me semblait, ça me disait un truc. Mais alors là, je sais pas du tout ce que c'est. Mad Game Tycoon, allez, on va dire que c'est ça. En 2004. Putain, mais je sais pas ce que c'est. Il me faut un nom. Evil Genius, c'était ça le nom, ouais. Evil Genius. Bingo! C'était exactement ça. J'avais plus le nom, mais je voyais ce que c'était. Ça compte. Prison Tycoon. Non, du coup, Evil Genius. Merci, merci, mon cher Harper. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Wouah, ça c'est du récent. On avait déjà rentré Death Stranding. Je sais plus si on l'avait fait. Si on avait. Si, si, on l'avait déjà rentré Death Stranding, donc je pense pas que ça soit ça. Tomb Raider? Ça me paraît trop beau pour du Tomb Raider. Cela dit. Non. C'est pas le genre de décor qu'il y avait dans les derniers Tomb Raider. Je sais pas ce que c'est, mais tu veux y jouer. Bah, les récents, ils sont beaux. Oui, je sais qu'ils sont beaux, mais j'ai pas de souvenir qu'il y avait des graphismes comme ça dans un des Tomb Raider. Peut-être à la rigueur dans l'un d'eux. Mais alors lequel? Legend? Lara Croft Tomb Raider Legend? Non. Juste Tomb Raider. Ok, donc là je confirme, c'est vraiment pas du Tomb Raider. Qu'est-ce que ça peut bien être? Harper y a joué. Ok. Bah alors qu'est-ce que c'est Harper? Last Guardian? Non. Je sais même plus c'est lequel Last Guardian. C'est pas avec Trico. Star Wars Fallen Order? Star Wars. Ah, il était là. Bingo! GG Harper! Action Adventure, PC, PS4, Xbox One. Ah, plutôt pas si récent que ça finalement. Bah 2019. Il y a 5 ans. Ah, oh, ça fait mal! Oh, le 2019, 5 ans, il fait mal en vrai. Ouf!
Ah, je vois qu'il y a Golden qui a rejoint le Discord. Je vais aller le rejoindre également. Et bonsoir, Goldou. Allez, salut, Ziyaz. Bonsoir. Salut, Oui, il y a mon père salut. qui te casse les pieds à chaque fois avec ce jeu, avec la musique de ce jeu. Yes. The Who. Alors, Beat Saber MDR. Bah, j'y pensais à Beat Saber, mais j'ai l'impression que. Ah, attends. Je crois que j'avais vu un live d'un gars qui avait ce jeu. Il avait aussi essayé Beat Saber, mais je crois que c'était pas ça. Si, c'est. Putain, oui. Je l'ai vu. J'avais vu un streamer, Arbobo, justement, Arboriatium, Red qui. Faction. Je crois qu'on avait déjà essayé, je sais plus. Alors, lequel? Ah, je sais pas. Original PC, donc non pas forcément Red Faction. Alors non pas Red Faction. Ah putain, en plus on l'avait trouvé sur son stream. Allô? Non Non, pas Allô, pas c'est sur pas du PC. Halo ça. C'est pas du Halo. Metacritic 89%, du PC. Je souviens plus! Je souviens Warhammer. plus, et on l'avait trouvé sur son stream. Warhammer Dawn of War. C'est pas du tout ça, mais c'est Non, c'est juste. pas du tout ça. Eh ben, je sais plus. Un RTS. Ah oui, je sais! Ah, you know. Mais j'ai oublié le nom. But you forgot the name. Oh no. Dans l'espace, In avec the un vaisseau space. mère. Ah, je Et on crois que était c'était ça, réfugiés de StarCraft l'espace. 2. Non, c'est pas ça que je pensais. Attends, il me semble qu'il y avait un StarCraft en tout cas, je sais plus. Non, c'était pas ça. Alors en fait, non. Ah, je sais plus. Je sais plus. Ils avaient trouvé vite et je crois que c'est un jeu obscur, je sais plus. Ah! Ah, ah! Home World. Release Homeworld? Je sais pas pourquoi je pense à ça. Je pense pas. Battlefleet Gothic Armada, je connais pas du tout. Battlefleet. Il y a juste Battlefleet. Non. Barking Dog Studio. Mais Mais non, si, ça c'est avait l'air. Homeworld ça, non? Tu crois? Bah, je peux pas, mais un profond. Comment ça s'écrit déjà? Homeworld, comme ça? Ah, c'était ça, c'était Homeworld. Mais c'est pas fait par ceux qui ont fait Battlefield. Aucune foutue idée. Je vais Tellement aller le voir. studio, Barking Dot Studio, donc. Non, parce que c'est exactement la même map et les mêmes systèmes que Battlefield Gothic Armada 2. Alors là, on a des petits papiers. Life is Strange? Non, je pense pas. Oh, non, comment Non. il s'appelle Beyond Good and Evil, non? 2. Ah, Non, c'est pas Beyond. les mêmes, Harper. C'est Ah Focus ouais? Entertainment, l'éditeur, et les développeurs, c'est Tindalos Interactive. C'est pas les mêmes boîtes. C'est pas Beyond Good and Evil. Metacritic 83. Alone in the 83%. Alan Wake. Alan Wake, bah Sam je l'aurais. Ouais, ça peut se tenter. Lake, New Hack. Alors, PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One. Wow! Y a des baleines mortes, c'est triste. Life is Pas Saints-Row Strange. 3. Non, The Saints-Row 3, y aurait plus de mauves. Je vais tenter le Life is Strange. Ouais, Je ah pense pas, mais. ouais. Bah, Fufu, c'est on ça! verra. C'était mon premier choix! Je l'ai dit! Et si c'est Life is Même Louis, non, Strange? c'est pas Life is Strange. Eh Bah ben, si, si c'était il avait Life is perdu, Strange! Loupi. Comment tu pouvais ne pas reconnaître Life is Strange, Loupi? Là, Ça, elle c'est aurait ça, bah reconnu. Je c'est pense qu'elle ça. aurait reconnu avec sa Narrative Loupi, tu pouvais pas Adventure. reconnaître Life is Strange. Là! Là, ça se J'ai reconnaît! Bah oui, là! Voilà, oui! 3000 cailloux, j'en fais quoi? Tu attends le team et tu les paries. Oui, c'est vrai qu'il y a ça.
Oh, je vais tout parier sur Nakam. Oui, j'ai vu ça, je me suis dit, Life is Strange, mais non, je pense et quoi, pas, Harper, moi aussi, je vais tout parier sur Nakai. Nakai, j'ai vu les premières images, Nakai, il est bien énervé. Je vais Avec avoir comment quoi ça au s'appelle? capitaine? La lune de la terreur. Tu comptes inscrire Salomon d'ailleurs, Golden? Bah peut-être, mais je sais pas du tout quoi lui mettre comme style de combat. Oh, j'avoue, faudrait y réfléchir. Bon, là, je sais pas du tout ce que c'est comme jeu. Je crois que c'est un vieux jeu, ou alors c'est un très mauvais jeu indé. Oh, mauvais, c'est pas moche. Non, c'est pas moche. Non, c'est pas moche. Je t'ai pas bully, ma chérie. Puis c'est pas grave. Tout à l'heure, je faisais le fou en disant « Oh, je suis sûr, c'est ça », et c'était pas ça. Bon, bah du coup, là, j'aurais bien dit les Lemmings, mais je pense vraiment pas. Too old for Metacritic. Donc, je pense pas que ce soit du Lemming, déjà. IBN, ça me dit quelque chose, ça. Pac-Man? Non, c'est pas Pac-Man. Bah, un des Pac-Man, mais lequel? Pac-Man Adventure. Non. Non, pas Adventure. Non, pas Adventure. Non, là, pour le coup, je vais avoir besoin de plus d'indices. Je vais quand même tenter Pac-Man. Hein. Bon. Et là, en fait, c'est de la franchise Pac-Man. Pac-Man 2, The New Adventure, ça sera tellement pas ça. Ouais, non. Plateforme originale NES. C'est pas Megaman 2. J'allais dire un Megaman, justement, ouais. Le point, là. Le gros point en plein C'est de la franchise Megaman. Hein. C'est pas le 2. C'est pas le 2. Non. Mais c'est du Megaman. Jamais joué... Ah, un Megaman, donc. J'ai joué à un des Megaman, je sais plus lequel, mais. J'essaye le premier. Putain, mais il y en a combien? Beaucoup. J'ai vu Megaman 6. Attends, alors. J'ai peut-être le 3. Ah, bon, c'est du Megaman. C'était le 3. Ah bah. Facile. Waouh! La Terre. C'est impressionnant. Hein? Contract ou contact, j'ai plus. Merde. XCOM. Contact. Non, c'est contract. Non, contract. L'un des premiers contracts. Contrat plutôt, ouais. Non? Oui, bah contract. Contrat. Contrat. Non, mais pas avec un CT, juste contrat. Contrat. Oui, mais c'est vraiment le... Lequel? Ah, voilà, on va mettre celui-là. D'accord, ça change du tout au tout. Ah, des Wibri! Mais où est le vide? Karaoke. Ah, c'est... comment? C'est VR chat, mais... la version, tu sais, c'est... Métier Tycoon, là. Alors là, aucune putain d'idée de ce que ça pourrait être. Une japonaiserie encore là. Cooking Mama Weibo Edition. Les Cooking Mama. Spécialité nuit chinoise. Juste mettre Cooking Spécialité Mama. Chinoiserie du Japon. Du PS2. Putain, mais il passe de ça à ça. Eh ben attends, ça du PS2, c'est vachement beau. J'avoue. Oh, le monde dans le fond, il me dit quelque chose. Moi aussi, ça me fait penser à un truc de Final Fantasy, moi. Je vais tenter quelque chose. Ah non, Little Big Planet, il était sur PS3. Ouais. Donc non. Yakuza, est-ce qu'on a eu sur PS2? Je me demande si... Non, c'est pas du Hi-Toy Play. Adventure Puzzle. Mais est-ce que c'est ce truc? Mais attends, mais comment un jeu passe de ça à ça, à toi, ça. C'est quand tu skippes la cinématique. Quand tu t'es endormi à moitié pendant la session de JDR et que tu te réveilles à la fin, tu sais pas ce qui s'est passé. Mais what the fuck? C'est sûr qu'ils ont pas mélangé plusieurs jeux.
Qu'est-ce que c'est que ce jeu de Ils ont merde? vraiment bien choisi la screenshot pour mettre le 12. Ça se Animal trouve, Crossing ça se LSD trouve, c'est Edition. les jeux du studio Phoenix, je sais plus quoi, là, qui Ah, oui, mais sont attends, non, il a eu une comme bonne note Metacritic, il avait ça. Ah, 86. cela dit, ouais, donc non. Animal Ok. Crossing LSD Edition. Super. Je peux tenter un nom de jeu creepy que je connais? Vas-y. Ouais. Aria. Connais pas. Aria. Juste ça. Il n'y a pas de balle de Arca, c'est une de mes séries de BD préférées. Mais il n'y a pas de Aria, il y a juste Aria the Natural. Bah, Aria prends the Aria The Original. Bonjour, Cam. Cam, nous avons besoin de Ah, toutes attends, tes ça c'est un nom auxiliaires. bien japonais, on va le tester. De quoi parlez-vous? Comment ça a besoin de moi? Comment Bien pensez-vous que je peux japonais vous avec aider? bien japonais avec El Cielo dans le nom. El Cielo, mais Ao Wakusei no El Cielo, je sais pas. Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Là encore, j'ai l'impression qu'on a changé de registre. Mais ouais! Mais what the fuck? C'est un En jeu de pêche. 2005! 21 cm, 3 mm, 80 cm, Comment 0,6. c'est un centimètre des centimètres? C'est un De quoi système métrique. parlez-vous? On est sur le Du Guess the Guess the Game, Game. comme d'habitude. Je Certes, pense qu'on n'a jamais eu aussi j'arrive plus à dur. retrouver le Rennes, le live de Mais Rennes. je Je l'ai mis crois qu'on n'a dans le jamais salon eu. Ennis. Je crois qu'on n'a jamais eu aussi dur. Ah, Ou j'avoue. plutôt aussi flou. Ouais, c'est ça, Dans il n'y le a aucun salon. screen qui va ensemble. Ah C'est oui. un Ah, jeu de pêche. c'est Digimon, non? Alors montrez-moi ça. Alors, on te montre C'est chacun. pas Katamari Damacy? Qui quoi? C'est pas Katamari Damacy au cas où? Le mec qui drop des noms, mec qui drop des noms comme Katam. ça. Bah Je oui, le vois de quoi il Katamari parle. quoi. Beautiful Katamari, tout ça. Katamari. Alors c'est dans la. Joue à son. C'est C'est dans la ça! franchise! Ah putain, oui! Non, non, ça suis Mais D6. alors Non, attends, non, parce je peux que pas j'ai Ah essayé oui, Wheel of quoi? Katamari Katamari, Beautiful Damacy. Katamari. Repris Après, le je sais pas nom Touch reconnaître by entre Katamari. ceux-là, mais. Juste pour C'est le nom, j'aurais bien demandé de Beautiful mettre celui-là. Katamari, ça m'étonnerait pas. Touch by Katamari. On va tenter le Ils se Forever. ressemblent tous tellement après. Allez, on tente le Forever. C'était pas ça, c'était We Love Katamari. Oui, oups. Ah là là. Oh Au là là moins, là là. heureusement que Cab était là. Au moins, on a eu la Il franchise. est arrivé, il a fait. C'est ça. Mais c'est ça! Alors, là, j'aurais On tendance veut à dire des Duck fleurs Hunt. sur le plat. J'aurais dit Duck Hunt, mais je pense vraiment pas que ça soit ça. Non, c'est pas Non, Duck Duck Hunt, Hunt, c'est bien non, joli. c'est certainement pas Duck Hunt. Duck Hunt, c'est plus joli. Too old for Metacritic. Ok, fond rouge sur fond rouge. Ici, il y a des fleurs, ici, il y a un fond rouge avec des points. Un On gros dirait zoom un sur fond de le terre, feu. surtout, genre un truc où on creuse, tu vois. On dirait un zoom trop prononcé sur une langue. Sur une fraise. Sur une fraise, ouais. Sur une langue de fraise. C'est ça, c'est le jeu de JDG avec la meuf fraise. Il y a un jeu de Sur meuf. Amiga. C'est les références. Les références de Ah, mais boomer. quand on trouve pas des jeux, des fois on se dit, mais JDG, il a joué! Alors là. Ce caillou me parle. Ah bah c'est Dig Dug, non? Dig Dug. Bingo! C'est mes câbles qui sort ça genre en mode ah bah c'est Dig Dug. Bah je sais pas, ça y ressemble C'était un peu. pas un jeu par défaut d'une console, je sais plus laquelle. Je sais pas, mais c'est un énorme classique Voilà! peut-être. Ça sent le jeu narratif. Oulo. Être ta the game. J'en sais rien. Et Dredge en moins dark. Et je reviens, faut que j'aille prendre une photo de mon énorme épée. Titre? C'est le but. Je la mets dans Ennis, mon énorme épée. Non, non, non! Les pénis, Ça arrive la fée. non! Pem, 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 pem. Ah oui, c'est une grosse épée, effectivement. Alors, bon, un petit bateau sur l'eau. Savoir que c'est certainement un élément de décor qui n'a rien à voir avec le jeu. Possible.
Cela dit, je sais pas, il y a l'air d'avoir du mouvement dans le bateau. On va voir ça. Graphiquement, j'aurais dit Star Stable, mais alors là, coucou. Et en plus, il Bonjour. est même pas là. Salut Lucky. Je viens tout juste de rentrer, j'ai à peine posé mon cul sur la chaise. Et tu n'es même pas le dernier. Incroyable. Imbelievable. J'ai eu de la chance, il n'y avait personne sur la route. D'herbe sur 20. Je me suis tapé zéro feu. C'était un jeu avec boat dedans. Peut-être, Tac. peut-être. Tac, 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 tac. J'irai dans les années 2000, en tout cas 2010. C'est pas SSO, ça c'est clair. Bon, en fait, Ah, ça ressemble un eh petit bien. peu, mais ça n'a rien à voir. Alice Online. Comme je te dis, ça Non. doit être du décor de loin, vu de loin, un truc comme ça. Ouais, c'est pas impossible. Tac. Je Tac. vais passer. Oh, ce serait pas les Sims. Ça ressemble tellement aux Sims. Bah, tente ta chance. Boupi me dit que. Ah oui, elle me dit les Sims. Donc pas le 3, mais c'est dans la franchise. Le 4? C'est trop beau pour que ça soit les autres. C'était le 4. Bravo. C'est ce que Loupi me disait en plus. Donc, mais de toute façon, si c'était pas le 3, c'était le 4, ma chère. Mais il y a ça dans le 4? Il y a que 70, ça a eu que 70% sur Metacritic, j'aurais cru plus quand même. Ouais. Le petit bateau, c'était un détail des maps, d'accord. Les bâtards. Ah oui, ça c'est sur l'affiche des maps, ouais, je vois. Mais effectivement, l'herbe. Yo. Hello, Roger, voilà, putain, fou. Qu'est-ce que c'est Encore que cette de herbe? 60... Alors, 70%, j'étais mute. Ah Le non, c'est 4 un n'a pas été arbre. aimé tant que ça. Le 4 de Sims, ça n'a pas été aimé tant que Non, ça. Ça, non, c'est non, Goose. oui. C'est le jeu où tu joues noix, là. Untitled Goose Untitled Game. Goose Game? J'en Ouais. doute. J'en doute Moi, je fortement. pense que oui. Moi, l'herbe, elle me fait beaucoup penser à ça. Hein. Et juste en regard de Untitled barrière Goose comme Game. ça, on peut dire le nom Oui, d'un jeu. ça Je fait un petit pense peu que je crois cette personne. Untitled. Bon, attends, je vais juste Soit taper ça, Goose. soit Muck. Je pense vraiment pas que ça soit Untitled Goose Game. C'est C'était vraiment pas un ça. tilt. Not appliqué. Ouais, mais c'est. Je vais me chercher à manger, du coup je reviens. Il me l'a mis. Mais Je sais déjà pris, j'ai juste à c'est prendre pas le jeu un de Sims. loi. C'est quoi ces cailloux? C'est RuneScape? On va voir. Hein. Si, c'est RuneScape 1. C'est C'était un. RuneScape. C'est. RuneScape. Il est trop content. Il est content. Oh, ce chien. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on peut pet de dog dans RuneScape? Je ne sais plus. Bon, on en fait un dernier le temps que Roger revienne vu qu'il est parti. Attends. Encore des arbres! Attends. J'aime bien faire des screenshots d'arbres. Hein. Des Vietnam arbres, aussi. waouh! La nature et les arbres, mon colonel. Jurassic World Evolution. Je fais confiance. Jurassic En tout cas, World. j'ai les mêmes arbres. Hein. C'est pas ça. Pas de la franchise non plus. Ça me ferait C'est bien quoi penser à un ça? SimCity ou un truc du SimCity. genre. Ouais, avec des routes comme ça, City c'est un genre Skyline. de Skyline, Soit SimCity, SimCity, ouais, soit City etc. Skyline. Et là, c'est Cities in Motion. Alors, par contre, lequel SimCity? Je vais mettre le 4. C'est pas la franchise, donc City Skyline. C'était City Skyline 2! Le jeu le moins bien optimisé au monde. Ouais. Après Ark. Oups! Non, Ark, en vrai, à côté, c'est une petite nature. Ah ouais, tant que ça? Ah ouais, non, mais City Skyline, c'est simple, tu peux le faire tourner avec n'importe quel type de matériel, le jeu il va ramer au bout d'une heure. Ark, tu peux le faire tourner sur un truc à Ah, je Popocatépetl. vois ça doit être un problème de cache qui se vide pas correctement, je pense. C'est pareil avec Dofus. Ah Et ça! c'est triste que c'est Bon. toujours pas corrigé. Bah, ils sont en Désolé, train justement, vu qu'ils le passent sous Unity. si vous entendez des bruits d'assiette, je suis en train de manger. Ok. Hop, T'as vu normalement, vous Rem, ma devrez pas grosse en épée? entendre. J'ai vu la grosse Normalement, épée, ouais.
Ah, mais elle est partie, ma chatte. Ah non, elle est... Oh! Attends. Elle est sous ma grosse paix. Elle est là! Et en fait, à côté, vous voyez pas bien, mais il y a le gros PD. Ah oui. Le chat. Il est il est quatre mouflés. Oh putain! Oh le regard qu'elle fait sur... Merci mamie pour le 17ème mois. Oh mais plus trop vive! Oh mon dieu! Elle me regarde trop mal en plus, hein, mais tu te fous de ma gueule! Je te vois! Oh merde! Red, il va mourir en vrai! Ah, mais le fou rire pour rien! Et le screen qui va trop bien! Oh putain, Oscar aurait été en PLS en voyant ça! Bon, le Foundry. Ouf. Maintenant, je suis trop bas. Voilà. Ouais, je quitte ça. Allez, c'est l'heure du Foundry. Ah merde. Tac, et voilà. Alors, je suis juste censé attendre un token de... Ouais. De juste un petit instant. Je l'envoie. Il me faut 3 secondes pour le faire et pour l'envoyer. Ah, ouais, justement, j'avais un token à te proposer pour un autre, mais le deuxième truc. Vas-y. Et moi, hein, mon token. Ça me va très bien. Parfait. Non, mais ça, on s'en fout. Ça. Donc, je vais t'ajouter ça. Merde, j'ai pas le bon bord. Boum. Ça marche. Il aurait pu refaire ça avant le Lucky, hein. Ouais, bah écoute, voilà. Avant j'étais en train de travailler. Oui, mais je parle pas forcément d'aujourd'hui. Un peu mieux travailler, non? Travaille plus vite. T'as pas une image avec le corps plutôt? Ce sera un peu mieux. Non, on fait un petit Tekken 8 là. Un petit Tekken 8. Pour blesser Nakai. Ah bon? Je vois tes blessures sur le. Ah oui, je les ai pas réduites avec le. Alors, on a fait des trucs avec madame la nuit qui ont été. Revigorants. C'était sportif. Il a des marques de, griffures et quelques écailles qui sont retournées. Retournées. Voilà. Il marche en canard. Retournées. Oh. Non. C'est comme retourner un ongle, c'est horrible. Justement, les écailles sont fortes que si elles se retournent, elles se détachent un centre. Justement pour éviter ce genre de problème. Des ongles aussi, hein, quand tu les retournes. C'est bien fait la vie. Hein. C'est bien fait. Mais même, t'imagines un ongle retourné là? Ah, mais me parle pas de ça, toi. Parle pas. Non, je veux pas savoir. J'en ai pas vu trois déjà. C'est bien, mais on t'a dit chute. Et bien pour, il y a bien une raison pour laquelle je me range les ongles, c'est pour pas me les retourner. Vous êtes pas dérangé par le fait qu'un navigateur rebouffe la tête d'un mec, mais vous êtes dérangé. Ça me dérange pas. Oui, par contre, les ongles retournés, c'est you. Non, parce que ça peut. Non, ça ne vous emmerde pas parce que ça risque pas de nous arriver. Un ongle retourné, oui. Croiser un navigateur, bon, c'est rare, hein. Si j'ai une deuxième conviction, je me tais. Pourquoi? Ah ouais, bah sinon je te mute, hein. Pas de problème. Oh non. Ça peut marcher aussi. Tu te tais sur quoi? J'ai pas compris. Ah, je t'ai cassé. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé le coup de l'ongle. Non, moi aussi. Et je voulais raconter comment ça se passait. Bon, j'en ai déjà eu un qui est tombé aussi, mais.
Oui, j'en ai un qui s'est décalé. Alors, en fait, alors, ça se passe quand il y a un bonhomme qui soulève ton ongle et qui dit c'est moi les champignons. C'est moi les champignons. Oh merde. Tu ne sais pas encore, mais ton ongle est déjà pourri. En attendant que Lucky m'envoie le token dont j'ai besoin, vous pouvez toujours me faire un petit résumé de la session dernière. Salut Kuren Game ou Kuren, je sais pas si c'est Kuren Game ou Kuren Game. Tu m'as toujours pas répondu là-dessus, donc Kuren. Tu vas t'appeler Kuren jusqu'à ce que tu me dises comment ça se prononce. Un Ren pour le token, ça risque d'être compliqué avec le corps. Quoi, il est si petit que ça ou il y a un problème? What is it the problem? Ah, this is the problem. Ok, I know. Je peux t'envoyer l'image de base. T'as vu ce stream bilingue là? Yes, this is a bilingue streaming with a very good English and a perfect accent. Ouais, écoute, ouais, bon, je vais prendre la tête, tant pis. Hein. Ou sinon, tu utilises le token de base. Ça me va. Le token de base, en vrai, je préfère, je pense, le token de base. Je crois que c'est. Bon, ok, on va faire ça alors. Ok. Je crois que c'était soit Arthur ou soit Goldou de faire le résumé là, non? Mais il n'y a pas de qui fait le résumé, vous le faites comme vous voulez. Selon l'envie. Okay. Alors, ça se prononce Kuren. J'ai fait l'avant-dernier. Qu'est-ce que j'ai manqué? T'as pas manqué grand-chose, là on vient à peine de commencer, ça va être le résumé de la dernière session. Et bah, on avait juste fait du Guess the Game en attendant tout le monde. On a parlé d'ongles. Donc c'est Kuren Game ou Kuren Game, quelle est la question? Kuren Lagan. Kuren Lagan. Même si je pense, je suis désolé parce que je pense qu'on a dû te le faire à chaque fois. Cyril Kuren Game. Mais bon, c'est un bro parce qu'il y a Ren dans son pseudo. Bien entendu. Salaud. Alors. Le résumé, donc. Une musique d'enterrement, là? Ouais, c'est vrai, peut-être. Point, 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 point. Point. Non, mais non, la musique. T'as des musiques du jeu, non? Ok, qu'est-ce que j'ai... Ah, je crois que j'en avais remis... Ah si, j'avais mis celle-ci. Je vais mettre la musique triste de Mario RPG aussi, ça marche. Je l'ai pas. Non, tu mets la musique de récap de Dragon Ball. Je l'ai plus, mais oui. Je me retape la série en ce moment. Il faut que je me retape la série. Ça se prononce game comme vidéo game. Ok, donc Kuren Game, ça marche. Du coup, dans l'épisode précédent, on était arrivé à la fin de l'industriel, enfin de l'industrie des comment ça s'appelle? C'était une griffonnerie. Une griffonnerie. Oui. Ouais. Où ils traitent les griffons et leur plumage, etc., pour les revendre au marché noir. Et en dessous de cette griffonnerie, il y avait une autre griffonnerie, mais illégal, qui était fait par des emprevants, c'est ça? Quoi? Ah, non, pas du tout. Pas du tout. C'est par des mafieux. Les mafieux, mais ils étaient plumés eux aussi pour. Voilà, c'est ça. C'est eux qui se faisaient plumer. Non, c'est des evnes, pas des emprevants. Les emprevants, c'est des insectes. Ils ont rien à foutre là-dedans, qu'est-ce que. Non, c'est des evnes du coup, donc les humains oiseaux, voilà, plus simple. Les humains oiseaux qui se faisaient plumer aussi, parce qu'on ne faisait aucune différence sur les plumes humains oiseaux et. Et apparemment, c'est moins cher. Oiseaux. Ouais, c'est moins difficile à produire vu que bon, ben voilà. Et du coup, on l'a introduit, on est rentré dedans, on a tué tout ce qui bougeait qui n'était pas gentil. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de tuer les bouchers, mais en même temps, ils étaient pacifiques, donc on n'a pas eu le. Puis à mon avis, c'était plutôt un boulot plus ingrat parce qu'ils ont besoin d'argent que leur passion, je pense. On n'a pas vérifié, mais on va assumer. En tout cas,
on a buté les mafieux qui étaient au sous-sol et qui torturaient les gens. On a libéré tous les prisonniers, mais malheureusement, pendant cette action, un de nos compagnons est mort. Race. Tragiquement. Tragiquement. Race est mort. Race de son nom, aucun. qui est mort tragiquement pendant, en si essayant de sauver le plus vite possible sa sœur. Il avait un nom de famille. Si, je sais qu'il a un nom de famille, mais je le connais pas. Je l'ai oublié aussi. On va t'oublier. On a quand même réussi à sauver sa sœur de justesse. On a, sur le tas, on a perdu un otage, malheureusement. J'aurais dû tirer, on aurait sauvé l'otage. Je t'ai dit, tu fais ce que tu veux. Tu m'as dit, ouais. Mais oui, justement, si on me dit fais ce que tu veux, j'ose pas. Il faut me dire, voilà. Je suis un suiveur, moi. Et du coup, on a libéré tous les otages, on a massacré tous ceux qui étaient au sous-sol. Et il me semble qu'on a cramé l'endroit avant de partir. Je sais pas, confirmez-vous pas. Parce que moi, j'ai dit que je partais en cramant l'endroit. Non, vous aviez pas cramé la zone. Hein ? Au final, vous aviez pas cramé la zone. Ouais, on a oublié de faire ça, je crois, en partant. J'ai oublié de cramer. Il me semble que non, puisqu'il y avait les flics qui allaient arriver, tout ça, vous êtes partis en trombe. Ah oui, on n'a pas eu le temps, c'est ça. Ah oui. Du coup, on est arrivé au bateau. C'est qu'on a fait les funérailles pour Ras. Enfin, funérailles, c'est la tradition LS Nero. Donc, on l'a mis sur un bûcher et sur les vagues. Son corps a cramé avec certains de ses affaires. Et il y a sa sœur qui a gardé son harmonica. Salomon qui a gardé son chapeau. Et il me semble que c'était tout. Le reste a cramé avec lui. Hein. Ses armes ont cramé avec lui. Oui, pour, grosso merdo, ouais. Parce que normalement, les guerriers ou ceux qui combattent, qui meurent au combat, meurent avec. Enfin. Sont cramés avec leurs armes. Et donc là, on était tous en deuil dans le bateau, en train de revenir sur les pas pour. Ramener la fille, enfin la sœur de Ras chez elle. Donc c'était pas Akora, enfin si c'est Akora, mais je veux dire plus bas, il me semble, ouais. Pour lui, non ? C'est ça. Il me semble que c'était vers Galva. Exactement, c'est à Galva. Galva, ouais, c'est ça. Donc il faut qu'on refasse tout le tour pour revenir à Galva pour déposer sa sœur. Peut-être qu'on la déposera à Vovros et peut-être qu'elle y arrivera à se débrouiller, je ne sais pas. En tout cas, on avait dit qu'on la protégerait jusqu'au bout et qu'elle partira quand elle veut. On lui a dit, si tu veux rester, tu restes. Si tu veux partir et rentrer chez ta mère, tu fais comme tu le sens. Voilà. Voilà. Et donc, on en était là. On était sur le bateau en train de déprimer. Ok. Il y aurait eu une nuit qui se sera passée entre-temps. C'est ça. Le temps de se reposer parce qu'on était quand même pas mal blessés. Les larmes et de l'huile ont coulé. Le temps que Myrtille apprenne à manier ses nouveaux Tommy Guns. Tu vois tout le monde en train de déprimer, tu t'entends derrière. La musique est peut-être un peu forte, cela dit. Hop. Oui. Je pensais surtout pour le stream. Bien. Vous serez donc parti de Pelia. Vous aurez passé une nuit au large pendant la cérémonie de honorer pour Ras. Mais donc le lendemain, alors que vous aviez pour projet effectivement d'aller jusqu'à Vovros, c'est ça. Il y aura un des membres d'équipage qui dira qu'il va nous falloir faire escale plutôt vers Agioggio. Putain, mais c'est. Ah, ouais. Peut-être pour refaire le plein et tout ça, j'ai pour arriver d'Alsi. Allez, pour refaire le plein, parce qu'effectivement, on est parti un peu en trombe et on a oublié de faire le ravitaillement. Enfin, on n'a pas eu le temps de faire tout le ravitaillement. Il va nous falloir faire un petit peu plus pour ça. Ouais, pas de problème. Parce que là, j'imagine que la mafia, elle est dans notre cul, là. Enfin, je sais pas s'ils savent que c'est... Je pense pas qu'ils savent que c'est nous. De plus, il y aura Rona, donc la sœur de Ras. Qui dira qu'il y a si elle se trompe pas, il doit y avoir une guilde de mercenaires là-bas, et comme elle connaît l'ami de Ras, elle pourra voir pour essayer d'entrer en contact avec lui pour qu'il vienne la chercher. Oh, trop bien. C'est Rissa. Rissa, Rona, c'est la mère.
Oui. J'ai trompé. Oh là là. Il n'y a aucun problème. Quand tu vois comment elles se ressemblent, ne t'inquiète pas. Pas grave. Inadmettable. S'il y a des frais, je les paierai, t'inquiète pas. Je dis ça, Arissa. Hein, c'est... S'il y a des frais de transport ou quoi. Sachant que là, en plus, Rissa, elle doit être très, très, très déplumée, là. Oui. Mm. Bah, cela dit, les plumes, elles étaient en train de repousser. On l'avait déjà déplumée depuis un moment et ça repoussait doucement. Elle n'est pas totalement à poil. Ok. Enfin, à plume. Bon, elle n'est pas non plus des plus fringantes. Mais elle n'est pas complètement déplumée. Elle aurait pu être de meilleurs jours, quoi. Ouais. Je me suis pas concerté avec Lucky, mais... Si tu veux, on peut se concerter genre 5 minutes. Ce que je te propose actuellement, c'est que justement, ton perso profitera de se mettre machin, de faire le ravitaillement, pour aller faire un tour aussi de son côté. Ouais. Donc, tu peux... Je sais pas si tu peux poser ton token, mais en tout cas, vous pourrez... pour présenter un petit peu le token de Lucky, je vais vous le glisser. Je peux le glisser aussi, je crois. Ah, voilà. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est un Loan Kaz qui travaille beaucoup en cuisine. Arrête-moi si je me trompe. Bah, je te laisse faire ta présentation physique et de ce que tu faisais sur le bateau. Ouais. Alors, je suis une... Vous verrez très souvent en cuisine... et aussi un peu au bord du bateau en train de pêcher de temps en temps, une Loan Kaz qui a une énorme brûlure sur le visage, qui a perdu quelques poils et qui a aussi un bras en moins, donc elle a perdu son bras gauche. Ok. Et elle se déplace à l'aide d'un bâton. Oui. Et elle est toujours accompagnée. Et elle est toujours accompagnée d'un petit dragonnet. Un petit dragon. Oui, les chats là. Dragon. Le chat va lui cramer les poils. Le dragon va lui cramer les poils. Voilà. Toujours accompagné d'un petit dragon. Je sens qu'on va pas s'entendre, moi et le dragon. Et pour ce que vous savez, de ce que vous pouvez savoir de cette cuistot, enfin celle qui approvisionne souvent les choses, pratique pour chauffer les pots, c'est qu'elle ramène aussi assez souvent des animaux vivants plutôt de manière pacifiste, ouais. Je dirais. Ouais. Et parmi les animaux vivants qu'elle a pu ramener, il y avait un coq qui s'était battu avec Brutus. Ah, c'est elle, la fournisseuse. Ouais. Ouais, elle s'occupe aussi des animaux, notamment. D'accord. C'est elle qui s'en occupait. Et pour ceux qui l'auraient observé un peu plus, vous aurez vu qu'elle pratique un peu de magie. Ah, sorcière. Routier. Et il arrive aussi qu'elle ramène des animaux et qu'elle vous interdise de les bouffer parce que des fois les animaux qu'elle ramène, c'est ses potes. Exactement. Oh, putain, comme c'est ce dragon. On touche pas à son dragon. Ah non, mais pourquoi on a une hippie? Mais du coup, qu'est-ce qu'elle pense du reste du crew? Capitaine, bon, j'ai moins de viande. Alors, du reste du crew, ce qu'elle peut penser, si j'arrive à... Souvent, vu que j'étais souvent en cuisine avec l'alcool et aider pour la cuisine, moi. Ouais. Moment, elle sera cordiale avec Brutus. Elle aurait été... si tu as discuté un peu avec elle, elle aurait été cordiale. Oh oui, si elle est dans la cuisine, j'aurais forcément discuté avec elle. Oui, oui. Elle aurait été cordiale, elle n'aurait pas amené la discussion plus loin que ça. Mais si tu as posé des questions un peu plus sur son passé, tu sauras qu'elle a... elle a fui son pays, elle a
Natal qui est sérieux lui. Carella a été accusée d'avoir brûlé des forêts. Rappelle quelque chose. Alors que c'était à l'époque où Ménol n'était pas encore connu. D'accord, donc un autre pyromane quoi. Et non, justement, c'était à l'époque où on savait pas que c'était un Ménol qui brûlait les forêts, quoi. Exactement. Ah, et d'accord. En fait, elle a ça... et donc elle a été accusée à tort et on l'a pourchassée pour ça et c'est durant sa fuite que elle a perdu son bras. Du coup, elle a dû être bien contente d'apprendre les nouvelles. Oui. Et ensuite, elle s'est posée au niveau du bateau. Elle est rentrée dans l'équipage et elle a travaillé là. Tu sauras aussi que, justement, elle a bossé, elle a travaillé dans des... elle était gardienne de forêt. Mmh. Ah, je vois, ouais. Je sais plus comment ça s'appelle ça. Garde forestier, c'est ça. Garde forestier, ouais, voilà. Voilà, elle a été garde forestier pendant la majorité de sa vie. D'accord. Passer de la terre à la mer, ça a dû être un sacré chamboulement. Ça fait quelques années qu'elle fait ça maintenant. Ok. Ouais, comment ça s'habitue quoi. Ouais. Elle s'habitue bien. Elle voyage. J'aurais demandé, tu comptes faire quelque chose dans ce bateau ou tu veux juste te balader avec nous et profiter du voyage, de l'aventure. Elle veut se balader, elle veut voir le monde. Très bien. Elle va pas être déçue. J'aurais dit, bah, tiens, la prochaine fois, si tu veux pour sortir, si tu veux sortir un peu plus, on pourra sortir à la prochaine escale. Mais qu'on sorte on pourra sortir avec moi à la prochaine escale. Sors avec moi. Tu veux, alors, je sortir ensemble. Mais oui, sortir de la... Oui, on y sortir de la cale, ça peut faire du bien. Hein. Ça, sortir du bateau, ça peut faire du bien, effectivement. Mm. Quant au reste du crew, ouais, bah, elle sera cordiale avec à peu près... Avec un peu tout le monde. Elle aura eu un peu plus de mal avec Martille. On se demande pourquoi. Ça va, je suis pas juste un frigo pour toi. Faut pas oublier que j'ai étranger moi aussi. Hein. Oui. Je me souviens plus c'est quoi la relation. Bon, c'est un outil quoi. Hmm pour Salomon, c'est un outil quoi. Oui, mais il a été prouvé quand on s'est battu contre mon ancien patron que j'avais une conviction, des sentiments. En fait. Il avait une arme. Tu fais de circuit et de. Oh, tu peux faire des tokens pour celui-là, du coup. Oh, bah écoute, si jamais à un moment elle essaye d'ouvrir le. C'est un peu comme un Bender, parce qu'il y a déjà suffisamment de personnes qui m'ouvrent. Non, mais. Pas plus que ça, tu vois. Mais elle en pense quoi, son capitaine? Elle a peur. C'est bien. Je pense. Il est chelou. C'est bien. En fait, elle respecte. Au final, elle respecte le crew parce que bon, ben, c'est quand même eux qui la payent. Elle les respecte et ils ont pas l'air méchants. Moi, je tiens à préciser qu'il a quand même évité la réponse. T'en penses quoi ton capitaine? Je respecte le groupe. Oui, mon capitaine. Vous avez faim sinon ça vous dit un gâteau? Elle a pas empoisonné le plat du capitaine, donc ça va. Non, oui, quant au capitaine, bah, t'as un peu peur, mais sinon ça va. Elle a entendu des histoires comme ça, elle avait une tête. Tu penses quoi de moi? Aime-moi. Au secours! Ça dépend, tu peux faire un jeune. Si tu veux, tu peux faire un jeune d'intimidation non. Contre son âme. Non, pardon. Justement, parce que Naka il reste assez courtois quand même avec ses compagnons. Oui, oui. Ben voilà, elle sera. Bien, elle mon sera... ami! Ouais. Ok! Je pense qu'au début elle aura eu un peu peur, mais ensuite, au fur et à mesure, elle se sera un peu relâchée. Enfin. Elle est cordiale avec tout le monde.
Très bien. Okay. Quoi qu'il en soit, voilà, lorsque vous faites escale pour les ressources, bah, de toute façon, même quand vous ne faites pas escale pour des ressources, dans tous les cas, il y a toujours des membres d'équipage qui se baladent par-ci, par-là, dont peut-être le personnage de Lucky, qui sait, on ne sait pas. Bon, ça arrivait souvent. D'ailleurs, pardon, je te coupe, Eren, j'ai oublié de donner son nom. Ah oui. Elle s'appelle Zanny Critterfall. C'est le prénom Zanny ? Oui, Zanny, ouais, le prénom. Zanny. Et son nom de famille, c'est Critterfolk. Ok. Et son petit dragon s'appelle Faeris. Ah, moi, j'en ai pas des noms pour mes dragons. Mais toi, c'est des invocations éthérées. Je vais pas le dire. Mais tout le monde le sait. Ils sont cachés dans mes poches. À tout moment, je peux les sortir. Faeris, oui ma chérie, mais avec un F et un I, pas un Y et pas PH. Je me disais bien que ce nom me disait un truc. J'ai trop mais rien en fait, dit, j'avais pensé... la flemme de le soulever. Mais quand j'ai pensé au nom, je me suis dit ouais, c'est un bon nom pour un dragon. Et j'ai pas. Et, j'ai, et j'ai effectivement, Toth s'est dit la même chose. Mais. Le pire, c'est que je t'ai demandé si Faeris ça te disait pas un truc, et tu m'as dit. Ah, j'ai pas vu, ça, ou j'ai pas entendu ou vu ou. Pas écouté, je pense plutôt. On était en Vogue tous les deux, et je t'ai demandé, enfin, je sais plus. Parce que j'ai vu un petit peu après Faeris, mais tu sais, ça me dit quelque chose, et puis oh, bon, enfin oui. Ensuite, je t'ai demandé, ouais, ça va le nom du dragon, il m'a dit un truc, et toi tu m'as dit non. Ah bah je savais plus. Bon, je devais être dans les nuages comme très souvent. Ouais, t'inquiète. Everything is fine. Quoi qu'il en soit, vous avez fait escale et la question est-ce que vous restez sur le bateau ou vous allez voir un petit peu ce qui se passe ? Moi je profite de l'escale pour aller me balader un peu. S'il y a des plaines ou des forêts à côté, comme ça je vais faire un peu des emplettes au niveau de plantes naturelles qu'on peut pas forcément choper. Dans les marchés. Myrtille va pas sortir si elle a pas de raison. C'est ça. Il fait beau. Des petites épices. Des petits, tu sais, genre on peut, genre je sais pas, il y a le persil, ça n'existe pas dans les marchés et il faut les chercher dans la forêt, tu vois, je sais pas, j'en sais rien. Oui, bah tu vas aller faire tes petites courses. De toute façon, le temps que tout le monde gère les courses, ça te prendra une bonne journée. Moi, ouais. Je vais avec Rhys aller voir le mercenaire qu'elle a demandé. Aussi. Et parler avec lui, voir comment ça va se passer, etc. Je voudrais être sûr que tout se passe bien. J'ai surveillé Myrtille, je crois. Bonne idée. Ok. Alors, Zanny, tu feras tes petites emplettes dans les zones naturelles, pas très loin de la ville. Salomon, viens, on va te chercher les upgrades. Sur la Jojo, on est d'accord. Hein? Sur la Jojo. Ouais, oui. Et quant à toi, tu accompagnes Rissa à la Guilde des Mercos. Ok. Donc là-bas, tout est cordial, tout est bon, tout est good. C'est quoi le nom de module pour les tokens et les jets des... Bah, les tokens, c'est juste des images en PNG. Et les jets des... Et les jets des, c'est propre à Foundry. Enfin, bon. Le réceptionniste du coup de la guilde sera très courtois, comprendra, etc. Ils vont prendre Risa en charge de leur côté. Ok, je redemande, est-ce qu'il y a besoin de payer pour la course ou... Non, c'est pas nécessaire. Il y aura comment il s'appelait, Chris. C'était ça, c'était Chris qui viendra, qui s'en occupera. Chris la crasse. Ok, très bien. Chris la crasse. Bon, ben je fais un gros câlin à Rissa, je lui dis que voilà que ça va bien se passer et qu'elle n'hésite pas à essayer de nous appeler peut-être en passant par comment ça s'appelle Ah mais non c'est moi qui ai le crâne et puis il n'y en aura pas d'autre. Ah dommage. Bon de toute façon je viendrai te revoir un jour, je lui dis ne t'inquiète pas, je sais que tu habites que ta mère habite sur Galva, donc il n'y a pas de problème. Un jour je reviendrai te voir si tout va bien. T'as compris, je sais que ta mère habite à Calva. Bah oui, elle habite Galva. À Calva, sa mère. Galva. Je elle te remerciera en étant toute
peu toute penaud quand même, parce que bon, les récents événements l'ont un peu bouleversé. Un peu beaucoup quand même. Et tu lui passeras le bonjour à ta mère de ma part et de lui dire de désolé aussi pour son fils. Elle hochera la tête et te remerciera pour tout. Et tu pourras repartir ensuite. Très bien, bah je repars au bateau et puis je vais aider pour les livraisons. Enfin, pour les livraisons, okay. Pour les... Juste, donc toi et Zany, je vais juste vous demander un jet de perception, vu que vous êtes un peu passé par la ville. Ouais. La garde. Tous ceux qui sont à leur ville, ils font un jet de perception ? Ouais. Je me serais baladé comme d'hab. Wait, non. Hein, pourquoi ça a pris mon dragon ? Ouais, ça a pris ton dragon, ouais. Pourquoi ça a pris mon dragon ? Attends. Est-ce que Merci peut faire un jet de persuasion pour convaincre Salomon de se faire installer à la Lance-Rocket ? On en a déjà parlé. Non. Mais non. Ça ne tiendrait pas. Ouais. Je tire, je m'arrache tout. Pourquoi ça veut pas désélectionner mon dragon ? Après, c'est pas grave, si ça s'arrache, c'est réparable. Je ne suis pas un... J'ai même plus les mots, en fait. Y arrives-tu, Lucky ? Ah oui, ouais, c'est bon, j'ai lancé. Donc, Nakai et Zany, vu que vous étiez du coup un peu baladé en ville, et vous aurez vu placarder sur quelques murs des avis de recherche avec un petit peu plus de détails vous concernant, sauf Zany bien évidemment, donc concernant Nakai, Brutus, Salomon, Myrtille et Ras. Objection. Avis de recherche. Objection, on avait dit pour les avis de recherche, j'étais un objet juste. Oui, ils oui, ont aussi mais un tu fais partie des comment dire des du signalement. Des c'est peut-être à cause de la mafia, hein, je connais. Fais partie de l'équipage du chapeau. Et autant avant, il y avait des descriptions physiques de vous, autant là, il y a un portrait robot, nom prénom. Oh, petit enculé. Je vais lui péter la gueule. Attends une seconde, portrait robot, nom prénom. Ouais. Attends. C'est quoi le nom qui est écrit sous Myrtille ? Lequel t'as donné à la mafia ? Petite ombre. Petite ombre du manoir d'Oveyron. Voilà, donc du coup, il y a marqué petite ombre. Ils fouilleront le manoir d'Oveyron. Et tu vas regretter d'avoir donné ce nom-là. Dommage. C'est pas grave, Oveyron, il est hors des juridictions de Cerulea et Cordon. Ah, c'est parfait. Vrai, je pense pas que quiconque puisse mener quoi que ce soit comme enquête à Oveyron. C'est hors de leur juridiction, donc de toute façon, c'est foutu pour eux. J'ai l'impression que le crew est dans la merde. Le crew est dans la merde. C'est comme si on était des pirates, tiens. C'est bizarre. Moi, l'avis de recherche, je donne un coup de poing dans le mur sur l'avis de recherche de race. C'est comment avoir l'air suspect ? Pète la main. Je pète le mur. Tu vas plus te péter la main que le mur. Oui, pour nous. Tu restes un humain. J'utilise mon marteau. Pète ton marteau. Encore pire. Quand je remarque ça, j'essaye. Enfin, si je suis à côté de Nakai, j'essaye de me subtiliser pour éviter de me faire associer à lui. Jamais il y a des gens qui le reconnaissent en ville. Et d'un seul coup, le perso de Lucky quitte le navire et doit refaire encore un perso. Non. Je vais rester, mais pour le moment, j'aimerais bien éviter d'avoir ma tête placardée partout. Dire que tu traînes avec les mauvaises personnes pour okay. Pour le moment. Le temps passera. Bon, je pense qu'on va pas rester après indéfiniment sur le jeu, hein, parce que. Oui, de toute façon, là, ils ont réussi à. L'équipage a réussi à récolter les ressources qui leur manquaient pour la suite. Et Zany, dont on avait parlé, tu reviendras avec un petit copain en plus. Ouais. Encore ? Oui. L'équipage, le soir, arrive et vous voyez Zany qui, encore, ramène une bestiole. Ah, je vois que tu l'as renommée. J'espère que tu vas la stériliser.
Ouais, j'ai déjà trouvé un petit nom. Eh ben, je vous l'envoie, il est là. Il est un peu grand, par contre, il je est crois. Là. Ah non, c'est du taille zéro, c'est vrai. Ektirdir, voilà. Ektirdir. Non. Je l'appelais Maro. Ah, il est bleu, hein. Il est pas marron. C'est le mec. C'est le gars qui a pas donc, ça ne manque pas, en tout cas, l'équipage. Dit, ah, elle a encore ramené quelque chose. Alors, c'est de quoi, la bouffe. C'est quoi la taille de ce bison? Je vais faire un truc. C'est de la bouffe ou c'est un copain? C'est un copain. Les deux. Je me transforme en cerf. Alors. Tu te transformes en poule, encore. C'est bon, c'est marché. Je me transforme donc aussi en cerf comme lui. Question. Tu te transformes en cerf, mâle ou femelle? Ah bah, je suis forcément un mâle, normalement. Il okay, a dit, je pense pas que je puisse changer de sexe. Zen. Techniquement, je pense non, que c'est... tu peux. Est-ce que je peux te donner le contrôle comme ça? Je connais pas trop. N'importe quoi. Hein. Pas... Je relis la description, mais il me semble pas que je peux pas changer de sexe. Un cerf, c'est forcément mâle, je suis con. Oui. Bah oui. Après, oui. Mais sinon, c'est une biche. Oui. Par contre, c'est emmerdant. Au bout d'un. Hein, j'ai plus le dragon. Ah, si, il est caché. Il était caché. Ok, je cache mon truc là-bas. Là. Ouais, hop. Tu seras à lui, mais je peux pas. Ouais, attends, tu sais quoi ce que je vais faire? Je vais devoir créer un autre dossier des transformations. Voilà, et voyez Fyris qui se cale au niveau entre les deux. Je savais pas quoi faire, je sais pas quoi. Mais pourquoi avoir fait ça, monsieur Rutus? Voilà. Je lui fais un bonjour de la tête et puis je lui provoque un peu en... T'es sérieux? il va pas rester longtemps ton ami, je crois, Lucky. Mais non, t'inquiète pas, ouais, c'est un truc qui se fait entre les sœurs, c'est des combats de bois. Oui, c'est justement quand pour les femelles, ils font pas ça random de nulle part. Oui, alors non. Non, je peux saisir Brutus sert par les bois. Est-ce que tu le reconnais? Je reconnais quand même qu'il y a un gros s'est transformé en cerf devant mes yeux. Je sais, mais je sais pas pourquoi, j'imagine bien Nakai se tromper étrangement. Ah, c'est moi, je peux le contrôler. Donc, prendre Roger par les cornes et lui faire manger le bastingage pour lui dire arrête tes conneries. Bah, j'essaye de choper mes cornes, je recule et je m'en vais le plus vite possible. Je cours, je hop, lui lance mon comme ça. Hop, je cours partout, moi. Merci, j'ai pas trop compris, mais elle court aussi. Ah. Bloop. Merci, elle court, mais elle sait plus pourquoi. Et du coup, je roule sur tout le monde. Il y a Vertic qui a réussi à aller sur son dos et qui chevauche. Oui, arrête de bouger. Soupir. Mais pourquoi? Et du coup... Liberty fait un jet de conduite de cerf. Du coup, il te suit. Il te course après aussi avec le dragon. Putain, je peux pas faire mon autre sort pendant que je suis sous transformation. Techniquement, tu peux utiliser les sorts du cerf par contre. Ah, c'est quoi lui? Ah oui, c'est vrai, le gros bouclier. Je sais pas si tu peux. Si, le gros bouclier, le gros vent, là. C'est quoi, ce sort de métamorphe? Bah oui, c'est ça qui est bien. C'est pété? Ouais, je peux... Durant sa transformation, le personnage conserve ses propres handicaps à tout, et score d'âme, et il utilise tous ceux de l'animal. Donc en gros, par exemple, si j'ai envie de faire un gros souffle d'énergie qui vous pousse tous, je peux le faire. Bah si c'est ce que peut vous faire endormir. Si c'est ce que peut faire la bestiale, oui. Je crois qu'il peut endormir tous ceux qui sont autour, il me semble. Si je me rappelle. Dans un gabarit, ouais, ou une cible. Autour de lui, ouais. Non. Donc attention, Nakai, à tout moment, tu t'endors. À tout moment, je te brise les deux pattes, on est obligé de t'euthanasier. Si tu dors, tu peux pas. Hein. Un jour, il va vraiment finir à la casserole, Brutus. J'aime les bois. On va bouffer plus de poulet et dans quelques heures, on comprendra pas pourquoi notre bide il a grossi. Ou on est alcoolisé. C'est un cerf bourré. Un ours à la bière, allez. Oh
non, pas Bjorn. C'est un bruit d'effet sphère. Oh merde, non. L'effet sphère, fer, bref. L'effet de serre. L'effet de serre. Et ça sert à quoi? Non mais arrêtez. Pas faire tous les jeux de mots avec serre dedans. C'est la crème des serres. Arrête de faire autant de jeux de mots. Ben voilà, du coup, non, j'aurais juste dit bonjour et puis faire. C'est les trucs atypiques des desserts, quoi. C'est. Comment dire. Ce qu'ils font de manière. C'est, normalement, bah, normalement ils penchent la tête en avant, vers. Tu sais, en secouant un peu. Tu t'es cru dans Narnia. Ouais, donc, ou alors peut-être. Mais tu. Mais quoi, j'ai presque envie de te dire, fais-moi un jet de survie. Bah, en brochant un œil par l'autre serre. Il va se baisser, il va juste s'empaler tout seul comme un nul. Allez, bim, ça va, tu agis convenablement, on va dire, face à l'autre serre qui ne te considère pas comme un potentiel rival. L'autre serre est courtois et cordial, il voit que le serre en face de lui est un peu handicapé. Il est trop bourré pour voilà. Il voit que l'autre serre est un peu con, désolé. Il voit que l'autre serre n'est pas du tout une menace. C'est ça. Hey, Medin, je suis Adam, je suis beau et magnifique. Je peux lui faire une balayette avec mon Merlin. Oui, j'aurais dit, fais-lui un German suplex, là, comme dans l'animé. Oui, je vais aller German suplex à sœur, j'ai toujours rêvé de faire ça. Allez, hop. Non. C'est à ce moment-là que les joueurs ont dérivé du scénario. Oui, si, saloperie. Attends, elle est où, Rosie? Je vais me mettre derrière elle. Mais viendra un moment où tu vas perdre ton apparence. Ah oui, bah oui, je crois que ça dure... Attends, 30 secondes. Non, pas 30 secondes, je crois que ça dure plus longtemps. Non, si 5 tours, si, c'est ça, c'est 30 secondes. Ah ouais, c'est comme l'autre? Ok. Mais t'es sérieux de le blesser? Je sais pas, moi, j'ai juste... Mais c'est en bon létal. Ouais. Mais même en non létal, là, t'as fait lancer les dégâts, tu l'as. Non, il aurait fallu que tu me fasses. Ouais, si c'était pour le faire un croche-pied, un jet de combat contre son agilité. Mais son agilité de serre. Donc, là, t'as fait. J'ai 12 en combat. T'as fait j'ai lancé avec le 11. Donc, je vais plutôt dire 10 en prenant en compte le. Ah non, autant pour moi. Plutôt 10, en fait... ouais. Il bénéficie des capacités naturelles de sa forme, mais pas de celle magique. Ah! Ah oui, donc voilà. Oui, heureusement, sinon c'est beaucoup trop pété. D'accord. Par exemple, un dragon peut brûler et cracher du feu, mais dans un univers traditionnel de fantasy, il peut donc, je peux donc en faire autant tant que c'est pas magique, tant que ça demande pas de la magie. Yes. Tant que c'est naturel, en fait. Bah, tu fais bien de relire. Ouais. En attendant, fais-moi un jet d'agilité avec ton cerf, s'il te plaît. Normalement, tu as la fiche du cerf qui correspond en plus, que j'ai modifié par rapport à toi. Ah ouais, je vois. Alors, faudra que je te retire l'arcane focus. Je sais plus c'est dans quel animé ça, c'est pas dans. Ichijou ou quelque chose. Oh, il rate ouais. Il rate Attends, parce qu'il n'y a pas le plus 1 de l'arme fétiche, donc techniquement c'est une égalité. Il faut juste que je me souvienne. Non, il réussit. Et oui, je suis trop agile. Oh, c'est nul. Oh, j'ai même pas un plus pour la surprise, quoi. Bah non, je courais dans tous les sens. Mais une attaque au Merlin. Parce que ton capitaine. Et là... tapé au Merlin dessus, quoi. Non, j'ai tapé à la main au final. Pour... Du coup, je me détransforme et je redeviens Brutus. Brutus, la tête enfoncée dans les planches du navire, il y a juste son cul qui dépasse. À ce moment-là, de manière gratuite. Au moment où il est le plus vulnérable. Et du coup, tout cela avait servi à quoi? Ah ouais, non. Il a vu un cerf, il a fait au fait, voilà. Moi aussi je peux me transformer en cerf. Voilà. Écoute, en fait, c'est juste un gars qui vient d'avoir des pouvoirs, il en est fier. Il va faire ça pour chaque animal. Voilà. Ok. Regardez, un panda. Oh, je suis génial. Bien. Du coup, on va sur le. Je pense que pour le prochain objectif, ça va être aller à l'adresse qu'il nous a donnée pour le fournisseur d'alcool. Ouais. Maintenant qu'on a fini pour Jojo, on a fini pour Rissa.
Et du coup, le prochain lieu, c'est où qui nous avait donné l'adresse parce que tu nous avais. C'était à Vauvros. C'était à Vauvros aussi. Ouais. Ah ok. Ah ben punaise, on doit faire un grand tour. Le grand tour. Tintintin, le grand tour. Oui, j'ai pas calculé le temps que ça allait me prendre. Tiens. J'aurais pu prévoir ça. Il est long, il est chiant, mais c'est lui le chemin le plus sûr. Pendant ce temps, je vais réécrire mes pouvoirs. 2500 km ? Ouais. Ça passe. Il fait beaucoup là, non ? Easy. Ouais, ça va vous faire, ça va vous prendre un petit mois. Tous les jours. Bon, ben, je récupère mes pépés du coup. Hop. Ça vous prendra un bon petit mois. Entre temps, je suis devenu plus intelligent. C'est faux, tu mens. Si. Jure-le, pourquoi tu mens? Parce que maintenant, je suis en D6, attention. Et entre temps, à affronter la mort d'un coéquipier, en plus d'avoir affronté la mort de sa mère et d'autres trucs comme ça, a fini par faire gagner un dé d'âme Amirti, parce que voilà. Elle devient plus spirituelle, un peu plus centrée sur elle-même. Reine, on oublie quelque chose. Quoi donc ? Sur ma fiche, mon Merlin, tu ne l'as pas équipé en arme fétiche adorée. Ah ouais, c'est possible. Adoré. J'ai qu'un plus un, j'ai pas un plus deux. Voilà, c'est fait. Nakai devient plus méchant. Oui, violent. Le gars, il perd son Merlin un jour et il a plus rien. Oh oui. Tu veux faire une blague au capitaine, tu piques son Merlin pendant qu'il dort. Tu le remplaces par un autre. Un Merlin avec un pouvoir caoutchouc. Mais, d'ailleurs, je suis en train d'y penser. Si on me subtilise mon Merlin pour en mettre un exactement pareil en forme et que c'est pas mon Merlin... C'est pas ton Merlin, donc ça ne marchera pas et tu sentiras qu'il y a un truc qui va pas. Ah, il n'y aura pas la même grippe. Alors, tu le connais par cœur, là. C'est, tu connais je jusqu'à connais la moindre petite écharde qui dépasse. Cette beugne-là, bah, c'est les dents. On envoie une réplique, il est là à 10 mètres. C'est pas bon, Merlin. Tu as fait tellement de choses avec ce Merlin. C'est le lundi. Mais qui a touché à mon arme? Qui a touché à sa chatte? En fait, la simple présence de ton... En fait, tu reconnais la simple présence de ton Merlin. C'est, tu vois ton Merlin, tu vois ton Merlin, c'est un peu comme dans le voyage de Chihiro, tu sais, t'as peut-être tous les pas à ce point-là, mais s'il le prend en main, il saura que c'est le sien. En fait, mon Merlin, c'est comme Salomon de base, c'est juste un outil, mais au final, il a une âme. C'est tellement sale. Il va y avoir une scène où il devra retrouver son Merlin et il fait « Mon Merlin n'est pas parmi ses armes. » Et c'était la bonne réponse. Moi, je vois bien la prise de bec entre Salomon et le Merlin. C'est un soir, quand Salomon il est bourré à l'huile de vidange pas fraîche. Mais je ne peux pas être bourré, je bois pas d'alcool de toute façon. Mais on va te faire boire de l'huile pas fraîche. Il boit du VD40. Quoi qu'il en soit, messieurs, j'ai prévu que la session soit un petit peu calme. Je ne sais pas si j'arriverai à garder du calme tout le long de la séance. On verra bien. Ouais. Mais un petit peu plus tranquille, parce qu'on a enchaîné pas mal de combats. Oui. Un peu de repos, ça ne nous fera pas de mal. Après quelques jours de trajet, vous serez témoin d'un petit spectacle... Pas si rare que ça, mais toujours appréciable à regarder. Oh. Suivront le bateau une petite horde de cervagas. C'est quoi ça? Des petits animaux marins. Ouais. Plutôt hostiles, mais là où ils sont, ils ne vous feront vraiment aucun mal. Ils nagent autour du bateau, sautant, l'accompagnant... Donc c'est pas le moment de tomber dans l'eau, mais ça reste un très beau spectacle. On dirait le mélange entre Rayquaza et Slifer. Je demande à Salomon. Salomon, fais une recherche, dis-moi si c'est mangeable. La base de données est disponible. Est-ce que ça se pêche, genre, enfin, je sais pas. Est-ce qu'on a des cannes à pêche? Est-ce que je peux faire un jet de... ce serait quoi, un jet de survie pour savoir si c'est mangeable? En soi, il n'y a pas besoin de faire des jets de survie pour ça. Vous savez que c'est mangeable. C'est pas ce qu'il faut essayer de le pêcher. C'est pas ce qu'il y a de meilleur, mais ça reste mangeable.
Tu non, as fait une erreur. D'abord, Zany, mais t'as pas le droit. T'as fait une erreur, elle t'a dit que c'était mangeable, maintenant ils vont tout faire pour essayer d'en attraper un. Bah ouais. Ah, Zany, tu le rapportais pas à bord. Seulement pour le bouffer. Bah, je suppose qu'on a des cartouches pour la mer, non? Comment? Attends. Attends, je sais, je peux là, Zany peut commencer à démontrer ses pouvoirs. Elle va faire léviter en dehors de l'eau. Dernière fois que quelqu'un voulait démontrer ses pouvoirs, il a fini en boule. Ah, Lévin vous offre des cartes aventure. Oui, merci Lévin. Penchant amoureux. Mais il n'y a personne pour penchant amoureux, là. Non, alors... Oh non, Brutus, Ren. Non. Pas le cerf, Brutus. Non. Oui, voilà. Ok. Elle regarde Brutus. Brutus qui prépare l'arbalète. Le harpon. Ren, est-ce que je peux caster Ami des Bêtes sur lui, là? Sur Brutus. Sur Brutus, oui, tu peux. Il a un intellect animal, Brutus. Donc oui, tu peux. Non, mais est-ce que je peux caster Ami des Bêtes sur celui-là, là? Oui, tu peux. C'est un point par taille, c'est ça? C'est un point par taille. Il est taille... Je crois que je me suis fait gruger. Hein. Il est taille 1. Alors, donc, c'est quoi vos cartes aventure? Je regarde juste. Harper. Inconnu. Attends, pardon. Ah oui, non, il faut faire clic droit pour la retourner. Alors, mes cartes aventure. Renommée. Renommée. Jouer cette carte. Je les teste vraiment. Jouer cette carte après avoir accompli une bonne action significative. Du coup, c'est mort. Lucky, renfort. Il m'a fait des renforts ennemis. 10 000 poissons débarquent. Je les teste vraiment. En début de combat, choisissez un extra spécifique. Toujours pas de penchant amoureux. Renfort, ça nous permet de immédiatement piocher une nouvelle carte d'aventure tout le monde et on peut tous en jouer une deuxième. C'est le meilleur moment pour avoir penchant amoureux. Est-ce que vous voulez foutre la merde dans cette session? Rien de voulez nous. En vrai, vous pouvez. On se fait attaquer par un essaim de poissons. Ouais. Un combat sur le bateau, ça va être génial. Non mais attends, un combat sur le bateau, genre on sauve des gens, comme ça j'utilise renommée, et comme ça, ça lave peut-être un peu notre honneur. Ça va arriver, on est pirate. Et en plus on est en pleine mer, la seule renommée qu'on aura, c'est à côté des gens qui sont déjà nos potes. Vous serez renommée à Bikini Bottom. Oh putain. Comme l'éponge. Yes. Alors pour expliquer à Kuren, la carte renfort, c'est pour invoquer des renforts ennemis, mais conséquents. Et ça doit représenter une menace sérieuse. Jouer cette carte durant un combat, de puissants renforts adverses arrivent. Leur nombre exact et leur type sont à l'appréciation du MJ, mais ils doivent représenter une menace sérieuse. Chaque PJ pioche immédiatement une carte aventure et pourra en jouer une supplémentaire pour cette session. Lévin offre un jeton à quelqu'un. Oh, merci. Brutus. Coup, ouais, merci. Du coup, ce que je veux faire, j'arrive pas à le viser déjà. Ah si, voilà, je peux le viser. Je le vise avec l'arbalète. Ouais, alors, je veux caster Ami des Bêtes sur lui. Canon jumelé. Je veux pas utiliser... Je suis un prix... Juste normal. Juste magie classique. Tu m'as dit stop ou pas? Tu m'as dit stop ou pas? Non, je t'ai dit. Je te donne le signal. Okay. Parce que ce que je veux faire, c'est lui demander de sauter à un moment. Ah, et d'accord. Au moment où il saute, tu lui tires dessus. Oh, ok, d'accord. C'est ça que je veux faire. Je prépare les canons jubilés là. Mais tu vas pas avec le canon, avec l'arbalète. Oui, avec l'arbalète. Non, mais y a pas d'arbalète, y a pas de baliste. À moins que vous c'est en ayez comme truc, genre, oui, je suis un ami des bêtes, vas-y, mon ami, fais une cabriole pour deux amis. Vas-y, harponne-le. Oui, alors, c'est pas la même chose. C'est pas un ami. Oui, quoi. Merci, Guren, pour ton abonnement. Le genre de gars qui dit oui, mais dans ce pays, les chiens et les chats, c'est de la nourriture. Ils s'en passent des choses. Il y a Guren qui offre niveau 1 pour 3 mois d'avance. Lévin s'est abonné, c'est son 4e mois. Donc merci Lévin, merci Guren. Et vous n'êtes pas loin de débarrer le train de la hype.
62% déjà. Nut, nut. C'est quoi le fin de la hype? C'est quand les gens, quand il y a beaucoup de gens qui s'abonnent, qui parlent et tout le bordel, ça déclenche le train de la hype et je sais pas quelles conséquences ça a. Mais encourager les gens à la fin du train, selon le niveau du train de la hype, ça débloque des emotes. Ah oui, c'est pas ça. Du coup, amis des bêtes, on disait. Mais t'es sérieux? C'est raté. Relance. Stoing. Voilà, c'est un peu mieux. Ah oui, c'est carrément mieux. En plus, une prouesse, bien. Je me souviens plus, l'ami des bêtes, il n'y a pas de jet opposé. Non, il n'y a pas de jet opposé. En cas de succès, les créatures obéissent à des ordres simples comme des chiens dressés. Ils attaquent les ennemis, machin. Et en cas de prouesse, elles seront davantage soumises sans être suicidaires. Elles dépasseront leur part naturelle pour suivre les ordres. Ok. Donc. Parce qu'on n'a pas d'arbalète, il a dit. On a les camions. On n'a pas de harpon. Mais il n'y avait pas de harpon. Vous avez des fusils toujours, sinon. Oh, bah je suis avec. Ça va être compliqué pour le récupérer quand même. T'inquiète pas, je peux devenir un requin. Il va être non, mais on a des cannes à pêche. Bah oui. Ah, c'est ce que je demande depuis tout à l'heure. Mais oui, mais toi-même, tu as dit que tu pêchais. Je pêche, mais est-ce qu'on a des cannes à pêche au moins? Non, c'est Zanny qui disait qu'elle pêchait. Oui, vous en avez, oui. Donc, avec la canne à pêche, je vais tout simplement tendre une canne à pêche à Brutus, faire jeter l'appât, et je vais dire à la bestiole, mange l'appât. Et l'horrible personnage. Wow, et après je tire. Le plaisir de la pêche. Et après je tire. Le plaisir de la pêche, c'est de mettre son appât dans l'eau, attendre 8 heures et rien pêcher, et ensuite aller au marché d'à côté, prétendre que t'as pêché quelque chose. Bah, ouais. Il est ouais, c'est maintenant c'est pas que maintenant vous faites un peu plus attention à elle, non, c'est différent. Disons t'aimes que. T'aimes pas, notice me. Maintenant, elle existe. C'est. De temps en temps, elle aime bien montrer ce qu'elle sait faire, donc. Oui, mais comme moi, elle est fière de ses pouvoirs. C'est ça, on va dire. Donc. Je prends le canapé, dès qu'il mange, je tire. Ok. J'ai de force. Easy. J'ai de force, ouais. Alors. Moi, je pêche de mon côté. Hein. Tu me diras par rapport à ce qu'il fait. Mm. Ben, tu remontes la bestiole doucement mais sûrement. Je vais t'en demander quand même un autre à moins deux cette fois. Parce que c'est un gros bestiau. Ouais, alors, est-ce que je peux demander à mon cerf. De l'aider. Genre il le prend, il le tire par le pantalon et il va me défroquer là. Est-ce que je peux lui demander ça? Ouais, donc tu feras un jet de soutien du cerf plus le jet de force à moins 2 de Brutus. Donc on attend avant ton jet Brutus, on va faire le alors, jet de force du coup. Ouais. Ça n'aide pas beaucoup. Je perds mon pantalon. Oups. C'est pas un fumble techniquement. T'as un cerf qui te. Ah, c'est vrai qu'il y a un faut lancer un D6 pour confirmer ou non le fumble. Ok, je relance le dé de force parce que c'est un D6 du coup. C'est pas un fumble. Il va juste y avoir un cerf qui te mord le cul, Brutus. Je peux pêcher de mon côté, moi? Oui, bien sûr. Si ça suffit je pêche de mon côté. Ça ne suffit pas, en tout cas, Brutus. Bon, bah, il a moins 2. Parce que c'est... Il est gros. Parce que... C'est le poisson qui est gros. Ouais. Ah, je relance. Je dis au poisson de se laisser faire. Bah, il se laisse faire. Là, il est hors de l'eau. C'est ça le pire. Hein, bah, je relance. Mais...
Putain, mais il va utiliser toute sa... T'es au courant qu'après, s'il a vraiment utilisé la carte renfort, t'auras plus de fumble. Enfin, t'auras plus de... Voilà. Ah bah voilà, là, il le sort, le machin. Merci, il trouve ça rigolo, il a chopé une canne à pêche, elle va aussi pêcher. Comme dirait mon cousin, du premier coup à préciser ça. Je le prends du coup par la queue et je commence à lui taper la gueule avec le marteau. C'est quoi lancer pour pêcher? Je vais... Non, il n'y a pas de lancer. Tous ceux qui pêchent, je vais vous demander un jet de survie. Moi, ce qui me fait rire, c'est que Myrti, si elle chope un poisson de la taille que celui Brutus a plongé, a sorti, on va juste voir Myrti passer dans l'eau. C'est ça. Glou, glou, glou. Un jet de survie. Ouais. C'est donc un non-entraîné. D'ailleurs, on pêche en mouvement ou le bateau, il a lancé son... Youpi. L'échec critique dans l'eau. Myrti, elle a lancé la canne à pêche, elle a embarqué. j'aimerais savoir, Ren, on est en mouvement en pêchant ou alors genre on a coulé l'encre. Non, vous êtes en mouvement, mais vous êtes à un moment justement de la journée, enfin un moment où le bateau, il n'y a pas beaucoup de vent, vous avancez assez Mer lentement. Mère d'huile, donc. Ouais. Tu gardes l'échec critique. Donc celui-là, il sort de l'eau. Le bah, du coup, vu qu'on va pas vite, alors, je vais tenter de pêcher aussi après. je vais y aller à chacun notre tour. Donc, le machin ici passe hors de l'eau. Attention, Dragonnet. Enfin, je vais plutôt mettre comme ça là. Comme ça là. Mmh. Il est hors de l'eau, inoffensif, ne fait rien. Je lui donne un gros coup de marteau dans la gueule. Ok. Je lui donne d'un coup net. Bah, do it. Alors, je vais me reculer quand il fera ça. Ah putain, j'allais dire, c'est censé passer là. Alors, Servaga, hop, touché. Ah! Voilà, un blessure du secoué. Nickel. Oulé. Je fais enfin du poisson pour ce soir, ça va changer un peu. Du poisson bien ferme. Du poisson, c'est vendredi, c'est le jour du poisson. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser, quand elle aura casté son sort, elle se sera dessinée sur la main. Elle se sera fait des dessins sur la main et vous aurez vu sa main qui brille. Elle aura tendu la main vers le poisson et il y aura sa main qui aura brillé. Tatoueuse. D'accord. Un bon repas nous attend. Nakai. Il y a aucun poiscaï qui mord dans ta canne à pêche. Est-ce que je peux faire de l'intimidation pour les forcer à mordre? Non. C'est-à-dire, si à un moment ça mord et tu tombes sur un poisson qui a la taille d'un hameçon. La taille de l'hameçon. En fait, t'as chopé un hameçon. C'est tellement drôle. Vas-y, qu'est-ce que t'as pioché? Un hameçon. T'as pêché une botte. Myrtille! Oui. D'ailleurs, faut que je mette à jour mon compte. Salomon! Je vais te demander un jet de perception à moins 2, Salomon. C'est ça, je vais être remporté par le truc de Myrtille. J'aurais jamais dû pêcher. Non, je crois que c'est parce qu'il faut que tu vois ce qui va se passer, je pense. Non, je préfère. J'ai raté et je ne vais pas relancer. Ok. Ouais. Parce que je me souviens que tu as un atout que je n'utilise jamais et que ça pouvait être pas mal. C'est pour ça que tu as fait le jet de perception. C'est ballot, hein. Myrtille, je vais te demander un jet de force à moins 4. Oh. Oh, Athos, le poisson, t'as attrapé. C'est qui a dit que c'était un poisson? Une baleine. Ça n'a pas réussi. Ça n'a pas réussi. Je vais aux toilettes et je vais te dire ce qui va se passer après. Après la pub. Après la pub. Hey, à tout de suite. Tout de suite. Oh putain. Bon, je suis sûr, hein, c'est une baleine. Hein. Oh, t'imagines, un cachalot. Parce qu'une baleine, c'est un hameçon, je suis pas sûr. Mais un cachalot. Oui, Broly. Cachalot. Non, ça va être un poulpe et ça va nous amener dans un temple sous-marin où on va devoir faire un boss fight jusqu'à 4h du matin. Ça ne m'est absolument pas arrivé. Non, c'est faux.
Mais du coup, par rapport à ma carte, par rapport à renfort, ouais. est-ce qu'on voulait vraiment qu'on l'utilise pour que Harper ait enfin son penchant amoureux, j'ai envie, mais je pense qu'on va mourir si on lui fait renfort. est-ce que vraiment ça vous intéresse? Bah, ouais, ça me donne, disons qu'on va déjà y avoir un petit peu d'agitation avec peu importe ce qui s'est passé pour Myrtille. Ouais, Myrtille, là, je sais pas pourquoi. Je sens que d'ici une demi-seconde, Myrtille va apprendre à voler. Je vais apprendre à nager parce qu'il va demander à nager. Myrtille. Est-ce que t'as un atout? Mais j'ai oublié, c'était quoi cet atout dont il parle? Sixième sens. Ah, oui. Myrtille. En revanche, Myrtille est mauvais nageur. Je vais te demander Moi aussi. Mais moi, je respire pas sous l'eau. D'athlétisme à moins 2. Ce qui se passe actuellement, c'est que la mer était calme. Tu avais ta canne à pêche que tu tenais de tes 6 bras fermement, prête à choper quelque chose. Oh, bon jet. Parfait. Et soudainement, alors que tout était calme, tu te fais emporter par la canne à pêche. Tu passes par-dessus bord, mais tu as eu le réflexe, en effet, de lâcher la canne à pêche. Et essayer de te rattraper comme possible sur le bord du bateau avec tes pattes arrière. Ce qui fait que tes pattes arrière, bah justement, tes pattes arrière adhèrent sur la coque du bateau, tandis que tu as la tête sous l'eau. Avec deux copains qui sont juste là. Ça recule. Il y en a un en tout cas qui va tenter une attaque. Alors, je suis pas d'accord. Comment ça, tu n'es pas d'accord? Tu dis non au MJ? Comment ça? Je dis non. Aïe. Oh, ça va, ça te secoue juste. Pong. Pour le process que ça a été. Elle recule très vite. Tu te fais morte sur l'épaule, mais effectivement, comme tu as adhérence, et heureusement que tu as adhérence, tu arrives à remonter, tandis que l'autre essaye de te mordre. Mais rate. T'entends juste une grosse mâchoire se fermer à côté de ton oreille, tu sais. Les autres, effectivement, à un moment, vous allez tourner la tête, vous voyez Myrtille pêcher, vous retournez la tête, vous retournez la tête, vous voyez plus Myrtille. Et ensuite, vous la voyez un peu trempée qui est en train de remonter. Bah alors, Myrtille, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, elle est allée faire un petit tour avec les poissons. Je savais pas que tu savais nager. Je sais pas. Quand on dit il faut mettre un insecte en guise d'appât, c'est pas à ça qu'on pensait. Hein. C'est même pas un insecte. C'est un arachnide, même merde. C'est pas la même chose. Un cerf et un élan, c'est pas la même chose. C'est tous les deux des saloperies avec des bois, là, j'ai plus le nom. Des cervidés. Des nourritures. Cette dénomination scientifique des merdes avec des bois. Il y a quelque chose qui ressemble à un harpon là-dessus, sur ce bateau. Je crois qu'il n'y a pas de harpon sur le navire. Il y a un canon. Le truc qui ressemble le plus à un harpon actuellement, je crois que c'est le marteau de Nakai. Non, mais il y a toujours les canons. Effectivement. Elle va aller dans les canons. Poisson de merde! Poisson de con là! On est d'accord qu'on peut se dessecouer là. Oui. Merci, C'est lequel qui m'a mordu? Oh, difficile à dire vu que ça s'est passé si vite. À droite ou à gauche? Fais au plouf plouf. Au pire, il y en a un qui prendra pour l'autre. C'est vrai, ils ont tous les deux essayé. Ils n'ont pas tous se ressembler. Alors nous disions donc canon jume les 4. Alors, peut-être pas canon jume les 4, juste... ça serait peut-être plus sur un canon. Parce que canon jume les 4, ça veut dire que tu en utilises genre 4. Bah, t'as quand même ajouté un canon jume les 1. Juste un canon tout court. Il est où le canon? Canon jume les... Bon, au pire, on retirera le plus 5. On retirera le plus 5 aux dégâts.
Ok. Et attends. On va rien comprendre, juste un moment, on va juste entendre une énorme détonation et entendre Myrtille rigoler. c'est des canons ou c'est des canons à genre arbalète comme je vois là. Non, c'est des canons, c'est pas des balistes. Ok. Un peu comme des canons avec des boulets quoi, des boulets de pirates tout ça. Tout ça. Des alors, canons quoi. Des canons. Je sais pas comment elle fait pour le viser aussi bas, mais elle le fait. Oh, ça peut se bouger. Hein. Oui, c'est vrai. Du coup, le mode je le mets avant ou on le mettra on mettra... Non, c'est sur les dégâts donc on le mettra après. Ok. Et elle touche. Ah oui. Mais sinon, moi j'ai pêché quelque chose pendant ce temps. Enculé. Faudrait que tu m'as fait un jet de survie. Ouais, bon, j'ai fait 4. Il n'y a pas besoin content. De retirer le moins 5 là, pas le plus 5. Enculé. Bon, il y a le Servaga, il n'y a plus le Servaga. Je pense pas qu'il y aura grand chose à manger dessus. Non, il n'y a plus rien à bouffer. J'imagine le frère Servaga, tu sais, qui voit son frère se faire défoncer. Ah bah du coup là ça retourne sous l'eau là aussi. Ah et mais du coup c'est le moment de faire renfort, t'as le Léviathan rouge qui débarque, vous avez tué mon petit frère. Est-ce que vous voulez que je joue renfort? Et reviens pas, c'est ouais. Le prix. T'entends? Reviens pas. Allez. Et je me suis, j'ai pas entendu la réponse de Salomon concernant sa pêche, s'il avait fait un jeu de survie. J'ai fait 4. Ah t'as fait 4. Bah toi t'auras peut-être pas pioché un Servaga, mais t'auras pêché un bon poisson. Un saumon, tu sais pas pourquoi. Oui, c'est pas la bonne mer. Un bon gros ton, sa mère. Moi, je dis, Ren, il a dit ce soir, c'est séance calme. Moi, je dis, on l'envoie sur l'autre et tu balances renfort. Ouais, voilà. Il va juste pour se venger, il va nous balancer un Kraken dans les dents ou alors le papa Servagal. Est-ce que c'est unanime? Je balance. Oui, moi, oui. Hein. Oui, au pire, si on meurt, on aura rigolé. Bon, d'accord, je vais aller chercher les pop-corns et de l'eau, j'arrive. Si je suis amoureux et que je meurs, au moins je saurai que je serai mort en étant aimé par un petit lézard qui se balade. Il pense à moi. Ouais. Remercions encore une fois Levin pour cette magnifique opportunité. Yes. Ah, il n'y aura pas de baston. Si. Ah, merde. Ainsi, ai-je parlé. Cette session devait être une session calme. Une session détente, pêche. J'ai mal de connaître mes nouveaux pouvoirs. Enfin, ça aurait pas dû mourir aussi, et puis merde. Hein. Découverte du de mon reroll. Pardon, détente et pêche. Chasse, pêche et tradition. Chasse, pêche et tradition, exactement. Chasse, pêche, fumble et tradition. Chasse, pêche et extermination. Et d'ailleurs, ce sera nous les exterminés. Que d'ailleurs, tant que Ren n'est pas là, je fais un petit point sur les échecs critiques de tout le monde. Me revoilà. C'est vrai qu'on n'avait pas fait de rapport stat depuis un moment. Ouais. Actuellement, Myrtille est à 4 échecs critiques, Salomon est à 1, Brutus à 7, Nakai à 4, et Ras, du coup, était à 5. Et 7! Ouais, non mais c'est fou le nombre de jets que je rate. Tu en as fait plusieurs à la session où tu ratais tout. Notre cher MJ est à un échec critique. J'en reviens pas que j'en ai que un. Je comprends toujours mais pas pourquoi je suis pas mort. Hein. Alors, Lucky, tu vas pouvoir dépenser la carte. Je vais réouvrir ma main. Je vais jouer la carte. Et surtout la séance quand on était sur le toit du train, là, j'aurais dû me mourir. Hein. Et je vais immédiatement vous donner à tous une nouvelle carte aventure. Yay. Ah, et du coup, on en a deux. Et vous alors, c'est quoi la deuxième ? On peut jouer chacun deux cartes aventure. Bon, moi, je peux en jouer plus qu'une, mais tout le monde peut jouer deux cartes aventure. Alors, on va regarder quelles sont vos cartes. Harper, j'ai pas tu as enfin eu... Goûté, ah, plus de pouvoir. Mais ça me casse les couilles, j'ai toujours les trucs de pouvoir là. Ah moi mon pouvoir c'est la violence, On n'a pas le droit d'échanger les cartes ou un truc comme si, ça. Si vous avez le droit. On peut utiliser je crois les mains des autres. Et de quoi tu te plains alors? Ah putain, félon. Parce que Golden, pacte maléfique. Je vais le faire avec Deva ça.
pacte maléfique. Il n'y a toujours pas penchant amoureux qui est tombé. Je vais fracasser mon crâne. Est-ce qu'il y est au moins Est-ce qu'elle y est au moins cette carte? Ça se trouve, oui, tu l'as enlevé parce qu'à un moment donné, on avait dit qu'on allait l'enlever. Mais peut-être que tu l'as enlevé du coup. Sans bonne soirée, Couren. Merci d'être venu et encore merci pour Labo. Toi, le Labo, wesh. D'un côté, je suis désolé, mais la main de Cab est fantastique. Mais oui. Coup de chance, je les déteste vraiment. T'sais. Voilà, coup de chance, et je les déteste vraiment. C'est une main fantastique, mais il n'y a pas un penchant amoureux, donc c'est une main de merde. Mais oui! Putain! Nous, on fait le beau jeu et tout, expressément pour avoir une putain de carte. On l'a pas. Merde. Statistiquement, c'est la carte qu'on veut le plus. Tu vas voir que Stas, elle va proquer, mais genre à la fin du jeu. On va la mettre sur le boss final. Oh putain, oui. Enfin, alors, on choisit pas qui ça touche, penchant amoureux. Faut pas oublier. Ça touche, mais en fait, t'es pas certain si genre. Si t'es un mec et que tu. Et que tu vises une femme et qu'en fait la femme elle est lesbienne. L'effet arène ça. Mais c'est surtout qu'en fait on utilise penchant amoureux mais on sait pas c'est qui que ça va prendre en fait. Si je crois tu peux décider, tu peux choisir, tu peux dire je veux que ça prenne une personne mais c'est pas sûr que ça réussisse. Exactement. Ah. C'est à dire que si ça se trouve depuis le début on est en train de rigoler dans le sens où Nakai il va faire le penchant amoureux sur le petit lézard sauf que si ça se trouve le petit lézard il va juste lui mettre un nope. Ce que je trouve probable, Ren est en train de préparer une méga. Une méga invasion de Tarsi of Seas. Bah, on va voir les requins que Vert y a. Les pires qui sont revenus avec leur poteau. Avec le grand-père, là. Normalement, cette bestiole gagnerait à être un petit peu plus buff, mais en soi. Ça devrait le faire. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? De quoi alors, ça? Toi, on va le mettre comme ça. Et donc, comme ça. Parfait, beaucoup mieux. Bien. Votre séance de pêche s'est passée tranquillement. Vous avez bien ri, enfin, l'équipage a un petit peu ri quand même de Myrtille et de ce qui s'est passé. Et aussi la félicité d'avoir canonné le Servaga. Cano calmé. Ça s'est bien amusé là-dessus. Cependant, la mer qui était très calme, il est devenu encore plus et pas un pet de vent. Un grand calme. Beaucoup trop calme. C'est relou. Mais bon, l'équipage fait la fête. Ils passent le temps comme ils peuvent. Ils se reposent, ils se relaxent. Il y a un très beau soleil. Ouais. Jusqu'à ce que vous entendez merci comme un bombe et quelque chose qui fait bouger le bateau d'un coup. Un récif. Le Kraken. Le Kraken. C'est sur un côté particulier, devant, derrière? En dessous. Ça fait, ça fait bouger le bateau, le navire. Et pas qu'un peu. Vas-y, tu sais quoi? Attends. Faudra vérifier s'il n'y a pas un trou dans la cale. Est-ce que quand ça a bougé, est-ce qu'on a sauté un peu ou pas du tout? Pas à ce point-là. Je vais aller voir s'il y a un trou dans la cale. Je me penche sur le bord pour essayer de voir si je vois des traces ou quoi. Enfin, des traces, des ondes. Alors attendez, bougez pas. Faut pas que je bouge sans oreille. J'en ai marre de pas bouger, t'es le mec. Bouge pas, te pique pas. Ah, ça fait un peu beaucoup de trucs dans le temps d'ordre, là. Waouh. Ouais, j'avoue que c'est un petit peu relou. Je vais plutôt les retirer. Et je vais vous mettre que vous, je ferai agir l'équipage en dernier. Ouais, genre tu mets une personne pour tout l'équipage. Avec 16 blessures. Miaou. Putain, ton connard de toi. Si ils agissent en même temps que toi.
Si je ne m'abuse, mes bestioles agissent en même temps que moi. Oui, oui, oui. Donc t'as pas besoin de leur faire tirer de cartes. Si, si. Ah, c'est comme... Okaoso et Joker. Ouais, c'est ça. Ah non, non, ils vont pas piocher, ils vont pas piocher de cartes. Regarde, hop, ils sont avec toi dans le turn order, mais ils joueront en même temps que toi. C'est ça. D'accord. Bon, j'avoue, ça sert à rien. Toi, t'as un Joker, eux, ils auront un plus 2 automatique dans le truc. Ah, ouais, c'est vrai, ouais. J'avoue. Voilà. Bon. On va voir dans la cale, pas de trou. Mais, à un moment, il y a une autre secousse. Bam. Moi, j'ai regardé un peu au-dessus du bastingage. Ce que je disais, du coup, moi, je me penche vers l'eau, là. Voir s'il y a une ombre ou quoi que je... J'ai quand même gueulé un coup à l'Elnaf s'il voit quelque chose, vu que lui, il en est de pire. Alors, perception pour toi, pour tous ceux qui se penchent, et je vais aussi lui faire une perception, celui-là. Moi, je me penche pas, je le sens pas. Si je pourrais voir ma perception. Ah. Un Brutus, il voit. Bon, l'Elnaf nous a fait 17. Brutus aussi. Naka, il a fait 2. 5. Je sais tout. Brutus. Ouais. Bon, toi qui n'as pas les yeux partout, tu vois qu'il y aura une gigantesque ombre qui nage dans l'eau, vraiment proche du navire. On est en train de naviguer sur des cailloux, je crois. Une gigantesque ombre avec une petite lumière à sa tête. Je vois une lumière, ok. Et l'Elnaf dira qu'il en voit 3. Peut-être plus, il n'est pas sûr. Ouais. Moi j'en ai qu'une. On a des barils explosifs. Non. Vous avez de la poudre, cela dit. Cela dit, si, vous avez des barils de poudre, puisqu'il y a le canon. Cela dit, attends, on a des canons brûlés. Non, mais c'est surtout, c'est juste pour faire des mines anti-sous-marines. Genre balancer un baril de poudre allumé, comme ça, ça va péter sous l'eau, ça va les désorienter. Ça va pas péter à la gueule de notre bateau. Ouais, alors pour le moment, on sait pas trop ce que c'est. Oui, qu'il en soit. C'est un gros truc qui tourne autour du bateau. C'est pas si gros en fait. C'est quand même massif, mais... Ah, c'est Papy Servaga, il vient se venger. Oui. Oui, je vois des horreurs au-delà de la compréhension. Ah, j'hésite à faire ce que j'ai en tête depuis tout à l'heure. Il va se transformer en ces saloperies. Non, je voulais me transformer en gros requin en plongeant. Ça sent la mauvaise idée, ça. Laisse-moi juste regarder, mais je sais pas tours, si... C'est... Oui. Je sais pas si j'ai le requin, moi, mais... Je regarde. Transformation, on est aguerri. Ouais, taille 0, tu pourras pas. Les Servagas, c'est même un peu plus gros que taille 0. Ok. Ah, ils sont bien gros, quoi. Ils sont bien gras. Ils sont faciles à toucher. C'est quoi, cette saloperie? Ah, c'est ce que tu crois, Cap. Bah, c'est les Servagas de tout à l'heure, mais en plus gros. Ils ont évolué. En fait, je suis presque un peu déçu qu'ils soient si petits. Ils ont dit Digivolvé, c'est la limite, à la limite, au bout de sa taille. Ouais. Mais s'il y en a 3... Ou alors t'en fais un seul, mais un plus gros, d'accord. Bah attends. Ouais, mais les gars, s'il augmente sa taille, c'est plus facile pour toucher. Ah, j'ai arme améliorée, enfin j'ai arme adorée, fétiche. Alors, oh, regardez un poisson, où il part sur l'autre continent, là-bas, capitaine. Et aussi, mieux. Plus il est fait gros, plus ça fait de viande à bouffer. Oui. On arrive à la récupérer après. Pendant que tu bidouilles tes titres, c'est mangeable, ça n'a pas l'air très bouffable. Ok. Ah bah c'est lui qui commence. Attends, j'ai même pas pioché encore. Un chat. Ah, je croyais que c'était pioché. Ça avait changé. Ça n'a pas l'air particulièrement bouffable, ce poisson. Alors, c'est je n'ai pas encore totalement bossé. Il est possible que je les fasse évoluer en cours de partie. Pas de soucis. Ça veut dire qu'ils vont nous péter la gueule, ça. Ils vont disévoluer. Ils sont pas sucrés, ces pop-corn. Mais elle a pas mis de sucre, en fait. Oh. Il n'y avait pas de sucre dans les pop-corn. C'est mieux sans sucre. C'est le pop-corn salé qu'il faut prendre. Ah non. Ah si. Ah si. Bah non. Bah si. Non, sucré, c'est mieux. Salé, c'est bon. Breton, tu mets pas du sel dans tout ce que tu bouffes? Plus maintenant. Est-ce que je peux... Je sais pas si je peux en invoquer deux.
Oh, je verrai. Ça me dépendra si on voit leur tête ou pas. Ah. Je vais juste regarder un truc vite fait, tant qu'à faire. En attendant qu'il arrive, je vais bidouiller un petit peu. Ah! Ah oui, il était déjà. Ah, ça, c'est good. Ah oui, donc ça méritait vraiment d'être plus grand. Non, mais je suis désolé, les popcorn salés, c'est le mieux. Ils sont sucrés, c'est bien aussi. Ah, sucré, c'est chiant, ça colle au doigt. Salé aussi. En plus, quand tu les prépares, moi, après, personnellement... t'as tout le sucre du popcorn sucré qui colle au fond du, de ce que t'as fait chauffer, là, quand tu fais popcorn sucré. Ou alors, sinon, c'est, si tu veux que ça soit sucré, autant mettre du caramel dedans, quoi. Un nappage comme ça, pourquoi pas, ouais. Ouais. Parce que quitte à être sucré, autant que ça soit au fond, quoi. Oh putain. Ça s'en va, hein, ça revient. Ça c'est dans le cœur déjà. C'est chanté, c'est ça, c'est chanté, c'est ça. Comme une chanson populaire. Do you see banana man? Do you know the way? Ah mais non. Ah mais il est de retour. Bah oui. Oui. Le truc que j'ai dit en venant, c'est oh putain en voyant les trois trucs. Hein. Ah. Ah. Ah là, un truc coincé dans les dents. Ben, alors, d'accord. Messieurs, c'est l'heure du combat. L'heure du test. Ouf, ouais. Oui. Oh, yo. Ah, c'est celui d'en bas qui commence. Ah, oh, mais je sais pas qu'il a eu un joker, ce bâtard. Ça veut dire que je vais mourir. Par contre, il faut que je rajoute quelque chose sur la map. Le bâtard. Il faut qu'il rajoute les lance-flammes auxquelles ils sont équipés. Ainsi que les miniguns. De quoi Oui, tout petit. Le navire. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça, c'est pour représenter le navire. Quoi? Et voici notre chaloupe. Alors, ah, une musique aussi. Je veux ça que personne n'avait pas. Ah oui, on fait pas ce genre de... D'accord. Oh, oui. Le machin commence à tapoter encore une fois la coque du navire. Ça veut dire qu'ils sont... Il peut pas être si loin que ça alors. Pas de compétences de pilotage trouvées sur ce véhicule. Ouais, ça c'est normal, c'est. Donc il tape le navire et. Ah, ouch. Il s'est censé faire une perte de contrôle, mais. Ah, c'est vrai qu'il y a la perte de contrôle. Comment mais ça j'ai... Il fait plus 4, il est plus gros que le bateau donc. Non, je déconne. Non, justement, le bateau est plus. Plus petit, grand. Oui. Alors. Plus grand, oui. Ouais, ça a bien pris en compte la blessure sur le bateau. Ça a abîmé le bateau. Là, il y a un trou dans la cale. Je vais quand même augmenter un petit peu la taille du machin pour que ça soit bien visible. Attendez, je vais faire un guérison au bateau. Non, ça ne marche pas, ça. La grande gueule va entrer sur le terrain. Face visible. Allez, on imagine. Vous entendez un blam et la bestiole qui sort ta gueule. La bestiole qui a donné un gros coup de croc et de queue au bateau, il y a un gros trou dans la coque. Oh. Et le bateau comme commence ça. Le bateau commence à prendre un petit peu l'eau. Ah non, non, pas le premier soir. C'est premier contact déjà tout mouillé. Oh non, arrêtez. Mais on vient de ravitailler. Du coup, c'est à moi. On est d'accord, ils ont sorti leur tête, du coup. Hein. Ouais. J'imagine, ouais. Je commence à m'avancer ici. On est d'accord, les arbalètes, c'est représenté un canon, c'est ça? En fait, les canons sont plutôt dans la cale, mais je vous considère un peu dans la cale ou non. Est-ce que je voudrais... Ouais, bah, tu peux aller au canon. D'ailleurs, je vous ai rajouté un canon plutôt qu'un canon jumelé dans vos inventaires. Okay. Regardez comment il veut diminuer nos dégâts. Non, parce que le canon jumelé, c'est lors des poursuites, vous tirez avec plusieurs canons. Ah oui. Là, c'est avec alors un seul. Je vais me déplacer là. Et je vais invoquer. Ouais, ça peut toujours aider, même si tu donnes un jeton.
On sait jamais. Hop, je vais invoquer convocation d'Ali. Exodia. Un garde du corps, comment je fais? C'est là. Ah, cool. Ça a marché. Nice. Donc, ah, garde du corps. Attends, Brutus, tu fais de la nécromancie, toi, un peu, non? Non, mais je compte le faire plus tard, oui. Mamie vous donne un jeton et donne un jeton à Nakai. Parfait. Il va vraiment faire toutes les magies interdites, lui. Oui. Donc, tu convoques quel allié, Barbe Rouge ou Philibert? Bah, Barbe Rouge, c'est le garde du corps, c'est lui qui. Mais c'est quoi, c'est non? Je te laisse le placer où tu veux. Je veux dire qu'il soit collé vers la gueule du monstre. Ok. Voilà, vous pouvez voir du coup le token qu'il a. Il est smug, il sourit, il a un verre de vin. Voilà. Je crois que je suis à bonne distance, c'est 6 d'intelligence que j'ai, donc là... Ouais, il a 3, donc c'est bon. Il va se faire nucléariser ton Pokémon. Non, il va lui cracher du feu dans la gueule. C'est ce que je dis, on est d'accord, ça compte comme une action entière hein, d'invoquer. Ouais, mais lui, il peut agir. Alors, ben, je vais lui faire un cracher de feu sur lui, là. Et je crois qu'il faut que je double-clique sur lui. Ouais, c'est ça. Il faut que je clique droit comme ça. Alors, ensuite. Griffe flamme. Tire. T'as raté. Oh, dommage. Putain, pourtant, avec l'échelle plus 2, ça passe pas? Ouais. Ah ouais, même avec l'échelle plus 2, ça passe pas à 3 plus 2. Parce mais que non, là, il y a pas le plus 2 dans le truc. Si, mais il est quand même pris en compte. Mais là, ça okay. prend en compte oui. la parade aussi. Parce d'accord. que là, il est au catch. Bon, ben, tant pis. Ben, passez. Ah, ben, il faut que je passe aussi vers le rouge. Alors, ben justement, il ragonnait. Ah, merde. Ben, au revoir. A plus. A plus Dragonnet, il s'est fait voilà. gober. Non. Au moins, j'ai envie de dire, ça nous fait un demi-tour, enfin un tour où elle est pas. Là, elle attaque pas le bateau, quoi. Nakai. Est-ce qu'ils sont importés pour que je les tabasse? Faudrait que t'ailles dans l'eau, sinon, oui. C'est l'heure du canon jubilé. Il va faire la bombe. YOLO, plouf. Non, mais tu sais, je fais vraiment l'attaque avec Kratos avec le marteau armé derrière. C'est le viking qui saute dans le lac gelé là. Non, c'est pas Faerys qui est mort, c'est une invocation. Faerys mort, premier combat. Premier combat, premier tour. Oupsi. Ça là. Chaîne de maître. Oh, mais Agatha. Ok, donc il va faire plouf sur la bestiole. Ok, est-ce que j'ai un bonus avec non. le mouvement et l'inertie? Non, bon bah donc je peux faire une attaque quand même. Ouais, ouais. Oh, j'ai cru que j'allais taper un fumble là-dessus. C'est un croco qui nage dans l'eau. Oh, je relance tes dégâts, nique-toi. Hop. Oh la vache! Je t'arrive! Crocodile! Hop! Je savais! Putain de nil! Eh! Il faut rendre honneur à la carte aventure que vous avez balancée. Oh quand même! Elle fait beaucoup là, non? Une blessure au lieu de deux. On est d'accord, il compte pas comme des extras. Attends, ça a blessé tout le monde. Ça a blessé les trois. Oups! Oh le balayage! Ah oui, non, je vois pourquoi. I know why. Du coup, il a payé tout le monde dans le navire. Est-ce que je devrais pas le lier à l'acteur? Là. Ne faut pas que tu le lies à Bill Cosby. Bill Cosby. Cosby Bill. Bear. Voilà. I want to break free. Ok. I want to break. Donc t'as fait une blessure à un des vortalisques. Je suis agrippé à une bataille de ces tentacules là. Salomon. Je suis apprivoisé par la force.
Alors, allô, le chien a un boulon. C'est quoi cette musique? Effectivement, si moi je me jette à l'eau, je vais couler jusqu'au fond de l'océan et je vous laisse vous débrouiller. C'est un petit peu ça. Tu vas dans laquelle tu prends la voiture et tu fais traverser la voiture de la coque de... Oh, ce serait tellement stylé, mais je pense que la voiture elle va se cogner contre le bateau et elle va pas rien traverser. Bonk. Il a toute l'image de pute, fils de pute. Je vais me mettre contre le mât. Ça sera entre guillemets un couvert contre les. Parce qu'on a plus d'un côté que de l'autre. Et je vais viser. Je vais viser ce qui a l'air d'être le plus squishy. J'imagine l'œil. Là, vu que c'est quand même plus proche du fond de l'océan, d'ici tu le toucheras pas. Si tu veux le toucher, il faudra que tu sois en bord. Ah. Même les deux autres? Ouais. Si je monte dans le. Là, ça doit être faisable. Mais tu vas perdre. Si je vais pas tout au-dessus, normalement, il y a moyen de se mettre, même si ça bouge au-dessus. Tu sais, au milieu, avant d'arriver au nid de pie. Ouais, ouais. Je considérerais une plateforme instable et un couvert pour eux. Un couvert moyen. Ok. Hop. Et je reste là et je vise. Tu vises, tu tires. En bas. Je vise. Pour gagner un bonus après. Ah oui, non mais viser, faut vraiment pas bouger du tour par contre. Oui, faut pas bouger du tout. Bah je viserai le prochain tour alors. Ok. Machine. Je vais peut-être en mettre un quatrième maintenant que j'y pense. Alors, je pourrais... Est-ce que je pourrais limite c'est tirer et viser le prochain tour? Oui, je peux. Ah, parce que dans ma tête, vu que au début j'étais parti pour viser, je vais vite faire ça. Si le qui peut jouer, je vais vite cliquer sur. On sait jamais, hein, sur un malentendu, ça pourrait toucher. Tu tires avec quoi ton. La Winchester. La Winch. Ils ont un couvert léger. Un couvert léger et moins 2 avec la plateforme instable. Sur un malentendu, hein, on sait jamais. Non. Dommage. Je vais faire une relance. On y croit. Bah non, tant pis. Non, non. On aurait pu y croire. Moi, je vais vite aux toilettes pendant le reste. Alors, Ren, ouais. Qu'on soit d'accord, le coup de flamme des dragons, tu considères ça comme un jet de tir? Ouais. De toute façon, okay, normalement, donc... la fiche est faite. Donc, si tu fais une flamme... Ouais. Ok. Alors, Zani va gribouiller un truc sur la tête de Faerys et lancer Don du Guerrier sur son dragon. Et elle veut lancer Don du Guerrier pour lui donner l'atout double détente. Il me semble que double détente, par contre, ça ne marche que avec des armes semi-automatiques. Armes ayant une cadence de tir de 1 est susceptible de tirer 2 coups sans rechargement manuel. Je considère pas comme une arme. D'accord. Alors c'est lequel? C'est tir rapide, c'est ça? Non. Tir rapide, c'est pareil, ça augmentera la cadence de tir. Ouais, mais justement pour qu'il puisse tirer 2 fois. Il n'y avait pas un atout pour qu'il puisse tirer. Armé d'une arme à répétition, donc non. C'est lequel alors? Ah, ça doit être double flingue. Mais double flingue, faut 2 flingues. C'est lequel? On n'avait pas dit ça. Ouais, donc il peut pas tirer 2 coups de flammèche d'un coup. Non, à part en multi-action. Pas en multi-action, mais ça va coûter. Et il n'y a pas moyen d'enlever le bonus de multi-action. Enfin, d'enlever le malus de multi-action. Ah, bah, du coup, mon tour, il est cassé. Euh...
Non, il faut que je sois vétéran. Est-ce que ça te dérange si on fait le tour de Myrti pendant que tu réfléchis? Pas du tout. Je peux retenir mon tour en attendant. Vas-y. En attendant, ouais, je regarde. Pardon. Allô. Pardon, du coup, je passe. Tac, tac. Myrti. C'est moi. Est-ce que Myrti peut aller jouer du canon, là? Ouais. Myrti va jouer du canon. Boom, 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 boom. I want you in my room. Et jouer du canon, donc. Du canon pas jumelé, mais du canon tout court. Merci, Alexis. Parce que... merde, quoi. J'ai entendu Golden dire merci à son frère et il a dépensé des cailloux pour les jetons. Oh, le soudoiement! Le soudoiement! Il voulait utiliser pour nous redonner des cartes aventure, mais on peut pas. J'ai entendu le soudoiement. Non, c'est pas vrai. Parce que si Myrti peut fusiller un poisson, elle peut en fusiller deux avec un canon. C'est un gros fusil. J'ai envie de dire, techniquement, c'est pas moi, hein. C'est lui qui a utilisé ses cailloux. Enfin, bref, pas d'autres mesures que ça, Rennes. Canon, tir, c'est bon. Oui, non, canon, tir. Canon, tir. Touché. Cette scène me rappelle de mauvais souvenirs. Je sens qu'on va j'ai peur de pas mourir. Non, mais. Ils sont solides. Les ils brigands. Sont solides, ouais. Ouais, ouais, ouais. Tu tires sur un deuxième? C'est vrai que j'ai deux actions. Je vais tirer une seconde fois, tiens. En fait, il y aura quatre canons sur la même rangée. Putain, merde. Au secours. Après, sinon, il faut les recharger entre chaque tir. Et ça prend trois actions. Ouais, mais il y a quatre canons, donc je vais tirer deux fois. Mais et là ça touche mieux. Pas mal. Mais on encaisse. Ah le fou de ya. Lucky. Bon bah du coup je vais pas faire ça. Du coup Zanie elle va rester un peu en arrière et juste il y a son dragon. Il y a Faerys. Faerys qui va monter là et cracher du feu sur lui. Je vais juste le reculer d'une case pour qu'il soit pas considéré au cac. Ouais. Cracher du feu. Flamme. Tir. C'est mignon. Ça fait une prouesse. Ouais. Oh. C'est mignon. Il tente, écoute, il tente. Pendant ce temps-là, le cerf. Pendant ce temps-là, Maro. Il va aussi viser le même. Et il voit que ça fout un peu la merde. Il voit qu'il est un peu agressif. Et du coup, il va tout simplement... caster sommeil. T'as casté sommeil sur la bestiole. Ok. Et ça passe. Alors, laisse-moi juste revenir. Cible résiste avec un jet d'âme à moins 2. Un jet d'âme, tout simplement. Un jet d'âme, tout simplement. Bah, ça résiste. Easy peasy. Et du coup, faut que j'enlève manuellement. Et toi, tu fais quoi? Et moi, perso, y a qui est à côté que je peux approcher? Est-ce qu'il y a Myrti qui est à côté, sachant que moi, je suis sur le pont. Elle est au canon. Je descends et que j'aille voir Myrti. Pour rendre le combat plus fluide, je vais dire que tous les autres PNJ ils sont en train de s'occuper d'autres Vortalis qui sont sur d'autres côtés du bateau. Pas de soucis. Comme ça, vous n'aurez pas à les gérer. Mais moi non plus. C'est quoi
je sais que c'est un. J'aurais dû faire ça avant. Mais Zani, elle va aller voir Myrtille. Il a jeté en hameçon. Non. Parce que c'est la plus proche. Elle va aller voir Myrtille et elle va. Elle va lui. Elle va lui peindre un truc sur le bras. Et. Oui. Lui faire le don du guerrier. C'est quel atout que. C'est l'atout de. Non, c'est pas la double détente. Si, c'est la double détente. C'était celui-là, non? Pour pouvoir tirer plusieurs fois. Putain, pourquoi... Sinon, il y a tir rapide pour augmenter la cadence de tir. La double détente permet juste de faire des rafales courtes en plus. C'est alors ça, là. Tir rapide. Je vais. Si j'y arrive, je te donnerai tir rapide. Trop bien. Oh. Et c'est une prouesse donc. Et c'est une prouesse donc. Tu vas avoir temporairement tir très rapide. Donc tu vas pouvoir augmenter ta cadence de tir de 2 sur tes armes. Vous avez Tommy Gun. Exactement. Ouais. Mais il y a un problème par contre avec ça. Pourquoi? À cette balle? Bah c'est qu'il n'y aura pas assez de balles dans le chargeur pour utiliser la cadence de tir 4 et 5. Dommage. C'est chier. Bah recharge, recharge de flingue. Tu sais, au lieu de recharger, tu sais, tu enlèves le chargeur du flingue, tu mets un autre flingue dessus. On fait des chargeurs plus longs. Compris. Il a rien compris. Malheureusement, oui, bon, c'est pas bon. De toute manière, j'ai pas l'impression de pouvoir utiliser de tir très rapide avec les canons. En revanche, ce que je peux faire. C'est dévaliser tes munitions. Bah non, c'est. Quoique, non, non, non elle va pas aller chercher ses autres armes qu'elle a laissées derrière. C'est pas grave. Ouais. Et parce qu'en fait, c'est. Il faut. Quand tu casses le don du guerrier, il faut que tu prennes en compte l'entièreté des atouts de combat. Comment ça, perte de contrôle du navire? Non, on va pas prendre en compte ça parce que la perte de contrôle, c'est surtout quand on est en poursuite. Là, il n'y a pas de poursuite. Par contre, je vais relancer les dégâts. Ouch! Ça fait un peu mal quand même. Ouais, heureusement que ça peut encaisser 6 blessures un navire avant d'être vraiment dans le mal. Ok. Ben en fait, je pense savoir ce que je vais faire de mon prochain tour. Donc, là, le machin, il est limite... Je vais dire ça comme ça. Hein. Il est rentré carrément dans la cale. Et il a foutu le feu à quelques tonneaux explosifs et ça a fait quelques détonations dans le navire qui est vraiment dans le mal. Ça lui a pas explosé à la figure. Ouais, ça lui a pas pris... Il s'est pas fait mal. En fait, ce qui s'est passé surtout, c'est qu'effectivement, il est rentré, il a foutu le feu, et le feu s'est progressivement propagé, il a eu le temps d'aller un petit peu plus loin des explosions. Je le mets là, mais il est sous la cale. Mais putain, je suis con, je sais qu'à la touche, j'aurais dû t'ajouter, merci. Oui, vas-y. Tueur de géant. Il n'est pas trop tard pour revenir sur ses... sur ses erreurs. Je crois que tu peux jeter un jeton pour ça. Est-ce que je peux utiliser Rennes? Je l'autorise. Si tu balances un jeton, je l'autorise. Ben, je balance un jeton. Je balance un jeton pour changer ça en tueur de géant, qui sera outrement plus facile. Ok. Brutus. Un jeton oui. Plus que Ren utilisera pour nullifier les dégâts. Il y a un oui. Gros vortalisque qui sort de l'eau et qui tente de t'attaquer directement. Il tente de te gober, il te rate. Eh ouais, parce que j'ai un bouclier. Attends. Non, j'ai un bouclier. Non. Il tente toujours. Non, j'ai un bouclier, non. Bon d'accord. Mais monsieur, c'est juste un bouclier en bois. Oui, mais c'est bon bouclier. Parce que ah oui, t'as vraiment un bouclier. Bah oui. Ah, ok. Donc il s'est agrippé les dents à ton bouclier, tu le maintiens un petit peu justement, il a la tête hors de l'eau, presque qui t'embarquerait mais ça va, tu le tiens bon avec ton bouclier. Ouais, un coup de poing. Attends, ah oui en plus il te donne tout juste donc ouais. Donc c'est vraiment grâce à ton bouclier en plus que tu l'arrives à le faire. Je lui donne un coup de boule. Non par contre je lui enlève l'état secoué. Nakai. Ça va faire glou glou. Pourquoi
Oh, je sens que c'est la fin pour la grande gueule. Mais non, tout va bien. Makai, je vais te demander, s'il te plaît, un jet d'athlétisme. Ok. Il fallait que je lui rajoute plus de, d'ailleurs. T'es beaucoup trop confiant pour ce jet. Écoute, on a cherché la merde, on l'a trouvé. Ouais, t'es nul, on a même pas été récompensé. Oui, j'ai vraiment pas du tout d'athlé. Hein. Je suis amoureux, là. Nada. Je rappelle, vous avez des cartes aventure. Hein. On a des cartes aventure, mais quelqu'un veut les tester vraiment? Non, c'est pas des extras. Attends, je vais faire fielon sur lui et il attaquera ses amis. Alexis, dépense de l'argent, on a besoin de cailloux. Il y a plus de cailloux dépensables dans cette session. Bon, quoi qu'il en soit, je trollais avec. Quoi qu'il en soit, Harper, tu gardes ce jet? Ah, mais il me reste encore plein de tokens. Non, je vais le relancer. Alors, je crois que je suis censé leur donner un malus pour par rapport à la taille. Je crois qu'il y a deux échelles. Pour eux, on est beaucoup plus petit qu'eux. Ah oui, de toute façon, il réussit quand même, malheureusement. Il doit avoir des malus de taille, oui. Oui. Alors, le Vortalisque en face de toi, mon cher Nakai, est en train de te contrictionner. Est immobilisé, t'embarque doucement dans l'eau. Oh, il va couler avec moi. Nous allons faire connaissance au fond de l'océan. Et tu es non pas immobilisé, mais tu es entravé quand même. Que tu es relancé, ça te permet d'être entravé au lieu d'être immobilisé. Merde, j'ai entravé. C'est-à-dire que je peux encore utiliser mes bras? Ouais, mais à moins. Non, cela dit, il n'y a pas de malus. C'est vrai que c'est par rapport à ta distraction. Donc, ouais, tu es entravé. Je vais lui maraver la gueule. Entravé, et si je peux pas le taper, je vais le maraver. Ah, d'accord, entravé, c'est juste vulnérable. C'est même pas distrait. Ok. Je vais le bouffer. Salomon! Tu vois qu'il y a le Vortalisque ici qui commence à embarquer ton capitaine sous l'eau. Le capitaine cool. Le capitaine cool. J'ai envie de dire, c'est ce qu'il aurait voulu. C'est le mot qui sort ça sur le bastingage qui vient de truc. Dans mon esprit tout divin, je me fais dans l'esprit. Je mets mon brassard de capitaine et je fais je suis capitaine. Non, de là où je suis. Est-il possible de tirer sur le machin qui le tient en me disant ça va le dégager et... ou quelque chose? Dégager, ça risque d'être compliqué, mais tu peux toujours lui tirer dessus, effectivement. C'est pas sur le capitaine, hein, sur le monstre. Ah, mais bien sûr, c'est ce que je disais. Il le vise, Nakai. Bon. Ben, en fait, le problème, c'est que j'avais dit que j'allais viser le tour d'après. J'ai un tour que tu vises. Non, j'ai tiré le tour d'avant parce que si je bouge, je peux pas viser. Et comme j'ai bougé pour me mettre ici, maintenant je dois viser. Oh, tire-lui dessus, t'as vu la taille, ça m'étonnerait que tu le rates. J'ai pas eu de bonus le tir d'avant. Ouais, mais là, donc, il faut juste que tu fasses un 4. Et puis... Tout à l'heure aussi, il fallait juste que je fasse un 4. T'es mauvais. Non, il, est pas il a toujours un couvert de moins 2. Là, non, parce qu'il a un petit peu reculé. Mais tu as toujours la plateforme instable. Ouais, et j'ai pas de bonus parce qu'ils sont gros. Si, mais c'est automatique. Ouais, c'est un peu de bonus, il est auto. Ouais. Je suis pas. Je l'avais pas visé le tour d'avant. Et je rêve ou ils ont bien plus que 3 blessures à prendre, ces enculés? Bah, non, ils en ont 4 ou 5. Ouais. Je relance. Alors. Oh. C'est ça. C'est oh bien. Voilà. Joli. Bon, les dégâts, c'est pas ça. Même avec Perse Armure. Ah mais t'as fait 1 aussi. J'ai fait 11 de dégâts. Non mais je veux dire, ah non, c'est pas un dé, c'est juste un moins 1. Moins 1. Non, c'est 2d8, ah, oui. Donc 1 qui fait 7, 1 qui fait 8. Oui. 1 qui a fait 7. 1 qui fait 7, 1 qui fait 1. Non, moi je vois 7 moins 1 plus 5. Hein. Ouais, moi il n'y a qu'un seul D8 qui s'est balancé. Hein.
Ah oui, bah en gros, j'ai fait 5 et 2, moins 1, plus 5. Parce que la Winchester, elle a moins 1 de base. D'accord. Elle a moins 1, mais perd sa armure 2. Bah, ok. Mais ouais, mais moi, pour les 2 déluites... Ah, bah oui, parce que bullshit. Sont... Okay. Ah, pardon, c'est à moi. Ah, t'as un déluite qui a fait 2, quoi. Pardon. Rien pour réparer le bateau, ça prend beaucoup d'action. Ça prend surtout beaucoup de temps. Et ça se compte en okay. heures. Pour une blessure. Ok. Ils sont sur le bateau. Réparo. Wait, ils sont taille plus combien? Ils sont taille 6, ils ont une échelle de plus que vous. Ils sont taille 6. Ils ont des échelles? Oui, ils ont des échelles. Taille 6, taille 6. Ils sont même pas de plus de posable, c'est pas. Non. C'est 2 pp par point. Le truc est en taille 0, donc il faudrait que je dépense 12. Est-ce que je dépense 12? Allez. What are you doing? Ren. What are you doing? You scared me. Alors, Ren. What are you doing? Si je lance croissance sur mon cerf, est-ce que je peux le faire charger le poiscaille qui est sur le bateau? Oui. Il est dans le bateau, pas sur, mais ça pourrait marcher. Je peux considérer tout comme. Je fais pas chier si vous êtes en bas, ça sera la même chose. À quelques okay. nuances près. Juste que je revérifie un truc sur ce putain de sort de. Ce putain de pouvoir croissance ça ajoute de la force ça augmente la force d'un cran pour chaque niveau de taille en gros si tu okay. vas augmenter la taille de 6 de ton cerf il va passer 8, 10, 12 12 plus 3 en force j'ai okay. envie de dire est-ce qu'en plus tu pourrais pas utiliser après ou toi ou un autre ma carte poussée d'adrénaline pour jouer une deuxième fois gratuit. C'est complètement possible, mais après, je vois pas quelle. Si. Je sais exactement ce que je pourrais faire. Par contre, après, j'aurais plus de mana. Putain, faut que je revoie à nouveau. Putain, si. Ok. Si j'utilise ta carte pour avoir un deuxième tour, ce que je peux faire, c'est mettre ma croissance sur... donner plus 6 en taille à mon cerf, et ensuite lui donner don du guerrier avec frénésie. Oh, dame. Oh, purée. Sauf que ça me prendrait 2 tours. Mais je peux tenter ça. Je vais tenter ça. D'abord, croissance. Ok, fais ton jet. Est-ce que ça change s'il y a un 4 prouesses, non? 4 prouesses, que je vérifie. Pouvoir. C'est une prouesse? Et c'est une prouesse en plus. Donc il faut bien qu'on regarde. Oh merde! Alors qu'est-ce qui se passe? En cas de prouesse, ça ne, je crois pas que ça change grand chose. Ah. Non, il y a rien. Et donc tu veux faire. Il se prend plus 6 en taille. Il se prend plus 6 en force. Oui, ça on sait. Maintenant, ta deuxième action. Mais du coup, c'est toujours son tour. Enfin, c'est toujours mon tour à moi et à mes cerfs. Là, c'est que mon premier tour, on va dire. Oui, mais si tu utilises le... Attends, c'est quoi la carte exactement que tu veux utiliser? Big Cerf. Poussée d'adrénaline. Alors, attends, elle est où? C'est chez Golden. Et c'est votre héros joue immédiatement un tour supplémentaire, mouvement ouais. inclus. C'est ton héros, donc ça sera pas tes bestioles. Ok. Bah, du coup, je vais le faire de suite. Attends, faut que je m'enlève mes pépés. Du coup, ça m'a enlevé
Calcule après, s'il te plaît. J'aimerais bien garder un certain rythme. Pardon. Don du guerrier, magie. Et puis qui demande toujours pas de mort. Ça ne serait tardé. Et donc tu lui donnes frénésie. Ok. Exactement. Je lui donne frénésie. Et maintenant, vous allez voir un cerf en colère. Ok. Donc. It's big. Comment je vais gérer ça? Ouais, en gros, je vais te demander en deux fois. Je vais le gérer si ça te dérange pas. Pas de soucis. Parce qu'il va utiliser les cornes et pour une. Ah si, pour une charge. Ouais, il va le charger. Et la deuxième attaque sera en frénésie. Donc, dégâts, charge, combat. Donc, c'est. C'est voilà. Une attaque totale, la charge. La violence totale. Comment ça rate? Tu peux balancer un béni, n'oublie pas. Je balance un béni. Vu que t'as la tout pour. Je balance un béni pour relancer. Bah balance le béni, je fais la relance gratuite. Dis pas qu'il a. Il a raté. Bah il a plus les bonus pour. Il a plus deux quand je relance. Ah oui, c'est vrai. Avec mon panache. C'est vrai. Donc il touche. Et ça touche. Le panache. Oh, ça fait que le secouer. Oh, c'est triste. Ouais. Ça et pour ça. La deuxième attaque. Je vais la faire toujours en total, tant qu'à faire. Ouais, ça rate. Mais comme il a plus les bonus d'échelle. Ouais. Mais c'est quand même classe d'avoir un gros cerf qui se bat contre un truc dans la cale du bateau. Oui. Bon, let ça fait fight. Un peu plus de dégâts. Je participerai et mon dragon qui va aller. Est-ce qu'il peut faire autant? Il peut se déplacer de. De 12, je crois. De 12. Le dragon qui va aller. Ah non, il a lui 6, pardon. Ah non, attendez, là... si, il a vol 12. Ouais, il va aller là, le dragon, et il va cracher du feu sur lui. Ok. Je conseille là, comme ça, il n'y a pas trop de malus de portée, parce que ça a des très très courtes portées. Oui, oui. Oui. Flamme. Ah, mais putain, d'accord. On va faire ça, du coup. Dommage. Nakai. Eh ben, on va taper. Quelle tristesse pour toi, Lucky. Ouais, mais je vais commencer à regarder les règles de noyade, moi, en attendant. Ouais, je le tape, mais tu sais, aussi pour qu'il me libère, quoi. Tu sais, j'essaie de lui faire un max de dégâts pour qu'il me libère. Oui, normal. Allez, donc c'est vigueur plus de rounds. Ah, c'est quand même une prouesse, je le prends. T'as combien en vigueur? 8, donc tu tiendras 6 tours sous l'eau. Quoi? À partir du jeu. J'accepte pas, voilà. Au moins il est secoué, c'est-à-dire qu'il est secoué. Ça veut dire qu'il est secoué, effectivement. Il peut pas agir s'il pas son jet d'âme. Bah, et puis au pire, c'est le MJ qui va claquer un arbre béni pour pouvoir le désecouer gratos. Donc en tout cas, c'est tout bénef, on va dire, dans tous les cas. Myrtille. Oui. Alors, il est toujours en train de faire des bêtises, l'autre gros poisson dans la cale? Ouais. Alors, j'ai tueur de géant, n'est-ce pas? C'est ça, tu rajouteras un des 6 aux dégâts, du coup. Et j'ai deux Tommy Gun, n'est-ce pas? Ouais. Ça va faire bratatatatata. Ah, tout à fait. Par contre, j'aurai aussi plus de munitions à la fin de tout ça. Écoute, ce que je vais te proposer pour la conviction... je sais plus comment ça marche, mais quand tu cliques sur conviction... Ah oui, c'est conviction... Okay. Ah bah tu l'as dépensé, bravo. Oui, mais je te le rends. En gros, pour faciliter les choses, tu auras qu'à cliquer sur conviction au moment où tu lances les dégâts. Comme ça, ça t'ajoutera les D6 directement. Ça, bah... Je te le dépenserai. Alors, pas. Je vais faire un Tommy Gun en cadence de tier 3. Ouais, donc là je vise bien. C'est aux dégâts, c'était ça les. Ouais, c'est aux dégâts. Et c'est un D6 le machin que de tuer géant, c'est ça? Ouais. Ouais, ça okay. Te rajoute un D6.
Donc cadence de 3, bratata. Oh la gueule. Oh. Là, active la conviction du coup et tu lanceras les dégâts. Attends, j'ai pas fait ma deuxième attaque. Ok, bah fais-la tant qu'à faire. Okay. Cadence de 3 encore une fois, bratata. Un peu moins. Beyblade. Mais... Conviction et pas vraiment. Je comprends pourquoi Ren a autant tardé à faire en sorte que Myrtille ait des Tommy Gun. Je pense qu'un nerf va arriver. Genre, il est l'heure de lancer les dégâts. Je sais pas pourquoi je sens que Myrtille va bientôt perdre quelques bras. Vas-y, lance les tous d'un coup tant qu'à faire. C'est nul. Gris de Warthog à faire. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ok, deux blessures. Bon, ah, Spider-Woman gobre. C'est à peu près ça. Trois blessures. Elle en a tué un. C'est tout? Il n'en reste pas? J'ai lancé mes... les 6 là, ouais. 4, 5, ah ouais, donc 3 blessures. Ah. Après, si tu veux, je peux utiliser un token pour relancer le plus pourri. You can. Le premier là, vu que c'était une. Celui qui était à 7 là? Ouais, ouais, celui qui est à 7, vu que je crois que c'est une prouesse, non? Non, t'as raison, celui qui a la prouesse non, là, voilà, celui qui a 10. Là, celui... Ah oui, c'est à 10, voilà. Ah, pas mal. Oui. Bah, tu pars de aucun à secouer, donc. Et comme quoi, tueur de géant, ça suffit, ça aide. Mais je crois qu'il est encore vaguement en vie là. Ouais, il est dans le mal, le machin. Il est un peu flappy là. Oui, mais il a un cerf géant juste à côté. Il n'arrive pas à se désecouer, à moins que. Et il va viser le cerf! Prime me, bitch! Ah, c'est sûr, avec 4 blessures dans les pattes, ça marche il pas. Il a raté hein. Le cerf. Oh, waouh, c'est bouillabaisse! Bon. Tu peux jouer? Brutus! Tu as toujours les dents de ce vortalisque contre ton bouclier. Je voudrais faire deux choses en même temps si j'y arrive. Mais ça va me faire peut-être un malus pour mon deuxième coup, mais c'est pas grave. Ah ouais, vas-y. Je vais réinvoquer encore un convocation d'allié. Ouais. Et je vais frapper en même temps dès que j'ai fini d'invoquer. Ok, donc moins deux sur les deux jets. Sur les deux? Ok. Ouais. Donc garde du corps. Merde, j'ai oublié de mettre le moins deux. Faudrait que tu le mettes. Ouais, mais t'inquiète pas, là c'est raté de toute façon. Alors, bon, mais c'est raté, ça m'a dépensé les PP du coup. Ça m'a dépensé deux ou un? Ah non, c'est un seul. Bon, mais moi j'aurais essayé. Et. Marteau pilon! Mode moins 2. Pas mal! Ah, là ça touche. Et on essaye de faire des dégâts. On essaye, j'ai bien dit. Oh putain, j'ai plus à 12. À 12, ça passe pas. Oh, ça doit être à 15, 14 pour commencer les dégâts alors. Bah tant pis. Myrtille. Quoi, je commence encore dernier? Je commence dernier. Tu peux claquer un béni si tu veux pour tirer une carte. Ça marche combien de temps le tueur de géant? 5 tours. Donc là, c'est plus que 3 tours en comptant celui-là. Ok, donc elle va prendre un tour pour recharger le Tommy Gun et un tour pour le retirer. Et puis comme de par hasard, c'est la saloperie qui est en train de me serrer, qui joue juste avant moi. Donc, son Tommy Gun, un tour de... Ah bah non, elle en... dis donc, pas de bonne recharge. Il n'y a que 10 coups qui sont partis sur 20. Double tir. Le truc, ça va être un fromage. Alors, au passage, tu peux voir aussi par la fenêtre une partie du corps du Vortalisque qui est face à Brutus. Tu vois aussi que l'autre, il est partiellement endommagé. Donc, je dis ça, c'est possible. Bah écoute, si c'est possible de tirer sur les deux, moi, je veux bien. Hein. Je prends en compte quand même qu'il aura un couvert léger, le gros machin.
Ok, je vais tirer sur le premier et tirer sur le second après. Ok. Le premier. Baratata. Non. Ouh, oh, putain, ça va tomber sur ma gueule. Le triple 2. Le triple 1. Attends, triple... ça c'est celui qui est à côté du cerf. Le triple natouane. Bon bah alors c'est bon, c'est le robot qui va défoncer ou le cerf ou le Salomon. Non, Salomon, comme c'est dans la cale, c'est pas Salomon qui prendra. Je vais faire les dégâts du cerf. Oh, mais lui, c'est prouvé, c'est lui. Je vais faire les dégâts sur le cerf. Par contre, t'as pas rajouté le modificateur. J'ai oublié de mettre le couvert pour celui-là. C'est pas grave. Franchement, ça changera rien. Je te remets ta conviction pour que tu puisses le remettre pour. D'ailleurs, elle est considérée comme active. Ouais, elle est encore considérée comme active, donc. Me la retire pas. Ah, oui, ok, merci. Pour l'échec critique, on verra ce qui se passe. Je vais juste faire les dégâts de celui de Brutus. Mm-hmm. Donc. Celui-ci. Oh putain, mais c'est quoi ce jeu? Celui. S'il te plaît. Je peux pas cliquer si tu bouges le chat log. Je fais très rapidement les dégâts du cerf au passage. Rien. Et. Secouer. Il a juste secoué le cerf. Et même avec et purée, c'est Tommy Gun, ça fait rien du tout. C'est n'importe quoi. Je vais relancer le premier parce qu'il avait une prouesse. Ok. Voilà qui nous fait plus plaisir. Ah non, il est juste secoué. C'est pas mal. Bah, good enough. Salomon. J'ai secoué le cerf. Vous aussi, secouez un cerf. Non, elle veut pas le tuer le cerf, Loupi. C'est juste qu'elle a fait un triple fumble et le cerf a pris 3 dégâts. Mais il est tellement gros, il a rien ressenti. Est-ce qu'encore une fois, je tire et je rate? Au pire, tu rentres dans la bouche du cerf. Saute dedans. Non, mais encore une fois, ça se passe dans la cale, les deux là. Salomon n'aura pas la visibilité sur les deux. Ouais, moi c'est sur celui de dehors que je pars. Bon, allez, j'essaye à nouveau. À moins 2. Joli! Ah, bol. En prouesse en plus. Bah, les dégâts, c'est jamais ça quoi! Non, mais là, ils sont particulièrement résistants aussi donc. Il faut faire minimum 14 pour les chevaliers. Mais je sers strictement à rien en combat s'il n'y a pas des pions qui n'ont pas de résistance. L'exécuteur de petite merde. Bah oui, mais moi je suis pas un combattant à la base. Vanny! Pendant ce temps là t'as juste Nakai en mode Ragnarok en train de fracasser un putain de serpent géant. Ce que je peux faire, si Myrti est ok, j'allais dire, je peux recharger ses guns. Est-ce que je peux tenter de recharger ses guns à elle? Oui, si elle est ok, oui. Bah écoute, ok. Parce que j'ai plus de mana, je recharge autant de guns que je peux. Bah, un seul. Avec un seul bras. Ah oui, c'est vrai que t'as qu'un seul bras. Donc, oui, tu. Ouais. Bah, cela dit, si tu t'assois. Si tu t'assois, t'auras pas de problème à recharger les deux. Donc, en soi. Bah, je fais ça. Prends la carte de Nakai, y'a plus de pouvoir. Hein. Bah, m'assois et je recharge. Et je te recharge deux gars. Passer. Et c'est vrai, Loki, t'as utilisé tes deux. Ah oui, t'as déjà utilisé tes deux cartes, donc tu peux plus utiliser de cartes. Sinon, c'est vrai qu'il y avait un flux de pouvoir, c'est vrai. Oui. Ah bah tiens d'ailleurs. Je peux l'utiliser pour quelqu'un ça? Est-ce qu'on considère que les balles avec quoi je recharge ça sort de nulle part ou? Tu cliques sur recharger comme ça. Ouais mais tu sais par rapport à la quantité de balles qu'on. Tu les rajouteras dans le pire des cas. Ok. Quand t'as mon cerf, tapé. D'abord il doit se restabiliser déjà. Ok. Ouais, il va tenter de se restab. il ne se restab pas. Effectivement. Sauf que je vais claquer un jeton. Donc il se restab. Donc il se restab.
Et maintenant, il tape. D'ailleurs, poussée d'adrénaline, il était utilisé, donc je le mets dans la défausse. Ouais. Donc, il tape. Je tape. Vas-y. Juste avec les cornes. Je clique sur frénésie. Tu cliques sur frénésie. Et si tu veux, tu peux charger pour, chercher pour avoir une attaque totale. Plus de dégâts, plus de facilité de toucher. Alors, attaque totale, ouais. Non, frénésie. Non, ça fait pas en serre. Mais putain, c'est vrai que j'ai que des 6. Et le dragon qui va continuer. Non, attends, mon dragon il a combien? Putain, il a des. Ren, si tu peux tenter d'aller au pack du. Parce que là on est d'accord que. Cette Vortalisque, elle est actuellement en, elle est en train actuellement de niaquer le bouclier de Brutus. Est-ce que Faerys peut aller au niveau de l'œil du Vortalisque et le niaquer ou le brûler? Viser la tête, tout simplement, ouais. Ça se fait. Genre, il monte physiquement sur lui et il lui niaque. Ouais, c'est une visée de tête, oui. Ouais, donc du coup, c'est à moins 4, quoi. Ouais. Ouais, bah après, j'ai plus 4, quoi. Donc ça, c'est à 0. Mais bon, t'as vu la force de Faerys, est-ce que ça vaut vraiment la peine de le mordre? C'est pas forcément le mordre, mais le brûler. Voilà, il peut lui cracher des flammes dans l'œil. Bon, ça doit faire mal, ça, non? Tout en restant assez... Oui, c'est possible. Oui, tout en... Ah oui, mais non, du coup, il faut qu'il reste à distance. Oui, bon, il va tenter. Donc le moins distance. 4 de la visée, le plus 4 aux dégâts, donc visée tête tout simplement. Ouais, donc tire. Tire. Ah, oh. Portée moins 4. Tu vois, plutôt portée plus 4, on le voit pas. Enfin, le truc de léger, je vois pas sur le léger, moi. Mais c'est normal, c'est... Parce que j'ai visé le mauvais. Ah, t'as visé le mauvais. Ouais, j'avais toujours la visée sur celui du bas. Parce que normalement, il aurait fait 2, normalement, alors. Oui, en plus, normalement, t'aurais fait 2, donc ça aurait été quand même raté. Attends, non, le moins 4 de la... Attends, il a mis le moins 4 de la portée. Donc, non, ça aurait touché. Ça aurait touché. Attends, je vais faire ça. Voilà, là ça touche. Ah ouais. Bah en plus, oui. Et en plus, il aurait fait 6, je suis 6 con. T'es sérieux? Ouais. Ah bah oui, les dégâts sont pas explosifs sur lui. Bah c'est surtout qu'il a que un dé. Nakai, ce que je vais faire, je vais te mettre dans un coin. On fera un combat tous les deux rien qu'ensemble. Il t'embarque sous l'eau. Oui, vas-y, je vais le manger. Emmène-moi avec toi. T'as combien de tours déjà sous l'eau disponible? Il va avoir 6 tours sous l'eau. Ça se passe. Je finis ce combat et je serai à toi ensuite. Oui, tout à moi. J'aurais dû garder la poiscaille en ami des bêtes. Myrtille. Oui. It's your turn. Et tu as deux nouvelles Thompson bien rechargées. Eh ben, j'ai envie de dire... on change pas une équipe qui gagne. On change pas une équipe. Qui gagne ou qui fumble, ça dépend. Oh, j'avoue, le triple fumble, eh, ça compte double hein, sur le comptage des fumbles. J'ai marqué sur le compteur, j'ai fait une note qui dit que le cinquième fut un triple nat 1. C'est quand même très très fort. Il n'empêche que ça a été noté. Ah, c'est beau ça. Eh, l'échelle plus 2 quand même, qui met bien. L'échelle plus 2 qui met bien. Ouais. Oh, c'est et là on dit quoi? T'avais encore ta conviction d'active, mais ça, je sais pas si ça l'a utilisé dans tes jets. Bon, j'ai pas l'impression. Je sais pas, mais... Si, ça l'a. Tu crois? Si, pour le deuxième. Pour le deuxième, ça a pris une de ta conviction en compte parce que t'avais fait un 5. T'as fait 5, 8, 9, 9. Non, le oui, 9, non, parce que ça, c'était le dé de Joker. Conviction plus.
Je sais pas. Ah si, ça marque plus un des 6 de la conviction, ouais. Ah, plus. C'est vrai, c'est tous les jets. 3d6 plus le dé joker. C'est ça, bon, d'utiliser c'est... les. Bon, les écoute, c'est pas grave. Hop. Au pire, je te remets la conviction pour les dégâts. Ouais, ouais. Il faudra juste penser à recliquer sur conviction active. Enfin, vas-y, bref. Fais les dégâts. Alors. Secouer. Attends, il faut faire 18 pour le faire une blessure. C'est quoi par contre tous ces dés? C'est quoi tous ces dés? 40. Je crois qu'il est mort. Mon record a été battu? Non, c'est bon. Pas encore. Faut... Et le record à battre, 62. Un de plus en moins. Enculé! Elle a été vénère, la Myrtille. Ah. Nice. Ah, juste une blessure à secouer pour celui-là. Ok. Et merci d'avoir retiré la conve. Salomon. Celui que tu visais est maintenant sous l'eau et plus atteignable. À moins que tu ailles toi-même sous l'eau. C'est puissant, tueur de géant. Merci beaucoup. Le capitaine est en train de couler. Est-ce que... tiens, purée, il est passé où le capitaine? Sous l'eau. Glou glou. Il nourrit les poissons. Et les autres, ils font quoi? Arrêtez de faire les autres, partie. Les autres, ils se battent avec d'autres vortalisques de l'autre côté. Oui. C'est juste marrant sur la map, je les imagine en train de faire une partie de dés pendant, ou un combat de poulet pendant. C'est là que je me dis que j'aurais mieux fait d'acheter une grenade plutôt qu'une grenade. C'était pas à toi de jouer, Salomon? J'ai eu un bug là. Un peu de cerveau. Bah non, c'est okay. Pas à moi, je pense. Non, moi j'ai. Ok, donc Brutus, ça va être contre toi le croc. Au revoir, Brutus. Raté. Je crois qu'on va regretter ce carte renfort. Ça fait penser au TikTok. T'avais dit que ce serait un truc tranquille! T'avais dit que ce serait une balade! Ouais, mais là en même temps, c'est nous qui avons utilisé. Ah, pour le coup, ouais. Brutus, c'est ton tour. Wouhou! Bon, alors tu touches ou bien? Ah non, t'as fait ta convocation d'allié. Mais il est mute! Oui, il est mute. Brutus, tu es mute! Il agit, mais il est mute! Ah merde, putain, désolé! J'avais oublié. Alors je disais, ouais, je peux convoquer Philibert en tant que garde du corps ou pas? Ouais? Ouais, bah je convoque Philibert alors. Non, Harper n'est pas mort, il a été emporté pour l'instant sous l'eau et je ferai un combat avec lui en off, ma chérie. Enfin, en off, après ce combat-là. Bah, il est mort du coup, MDR. Pas encore. Non, parce que j'ai une idée pour peut-être ramener Harper. Ouais, mais sauf que là, ça va prendre du temps. Donc pas sûr que vous puissiez agir. Et tu fais que l'invocation de ton allié du coup, Roger? Oui, je laisse tomber pour le coup. Philibert, vas-y. Et qu'est-ce que tu lui fais faire à Philibert? Donc je le fais passer par derrière déjà, juste pour l'emmerder. Là putain, j'ai un truc de bug. C'est moi qui bougeais. Ah, je crois que ouais, t'as fait bugger en même temps que moi, donc du coup, moi, c'est pas grave. Je peux plus rien faire avec lui. Ah ouais, merde. Ouais, au moment où tu l'as bougé, en fait, au moment où je l'ai bougé. Ah, ça y est, c'est bon, je peux. Hop. Ah, voilà. Ben, je vais lui faire faire un. Alors, c'est quoi les stats pour griffe et flamme? Un des 6 et un des 4. Tout à l'heure, j'avais fait flamme, c'était un des 4 qu'il avait lancé. Ah, bizarre. Dégâts 1 des 6. Ah non, c'est le dégât qui est 1 des 6. Ah, c'est juste un dégât de des 6. Bon, ça risque de l'emmerder avec un peu de chance, non? Créature artificielle et sans peur. J'essaye de voir.
Ah, il a pas de capacité qui pourrait emmerder le monstre, on est d'accord. Compliqué, ouais. Bon, on va juste lui faire tirer une flamme dessus pour essayer de lui attirer son attention. Ok. Juste pour te donner... Ouais. Bon, ça rate, mais... En fait, j'allais reculer pour... J'allais le faire reculer pour que tu aies pas la parade de prise en compte. Ah oui, parce que ouais, il faut qu'il soit à distance, c'est ça? Ouais, vaut mieux. Attends, je te le relance pour toi. Ah mais là, du coup, il a porté moins 2. Il est pas censé avoir porté moins 2, donc je lui mets plus 4. Et l'échelle aussi, il est pas... Voilà, donc là, il touche. En fait, j'avais revu l'échelle, c'est censé être un poil plus haut. Bon, ça fait rien. Je vais juste... Je vais aux toilettes rapidement, je reviens. Ouais. Pendant qu'il est aux toilettes, les gars, mon plan pour ramener notre cher ami Nakai sur la terre ferme. Ouais. Pourquoi on le laisse couler, hein. Ça fait pas si longtemps. En plus, on est d'accord que Salomon, il a gueulé bien fort que le capitaine, il est atteint. Oui, c'est ça que j'ai gueulé, oui. Ok. Sirène part du principe que je l'ai entendu. Maintenant que la bestiole est morte, je demanderai à mon cerf d'utiliser sa télékinésie pour remonter Nakai. Ben après, je pourrais aussi moi plonger parce que moi j'ai pas besoin de respirer. Non, mais t'es de la mécanique, tu vas rouiller. Espèce... Non, tu ne rouilles pas instantanément. Imaginez... Tu mets de métal dans l'eau, ça ne devient pas instantanément de la rouille. Non, mais les gars, imaginez, je fais ma télékinésie sur le poiscail. Tu endors le poisson sinon. Hmm, le cerf, normalement, il peut endormir. Oui, il peut endormir, mais je vois plus une télékinésie pour essayer de retirer le poisson de l'eau pour le mettre à portée de tous. Attaquez ! C'est littéralement la pêche à la télékinésie. Yo. Bah, si la télékinésie est suffisamment puissante, on peut. Ah oui. Rennes. Ouais. Est-ce que qu'est-ce que c'est pour viser quelque chose avec la télékinésie? Est-ce que c'est nécessaire de le voir? Oui. Pour toute activation de sort, c'est nécessaire de voir la cible. D'accord. Est-ce que ils ont disparu sous l'eau? Est-ce que ils sont est-ce qu'ils sont encore visibles? Non, ils ne sont plus visibles. Fuck. Voilà. Oh, mais... voilà. Parce que sinon j'aurais envoyé. Sinon le cerf il aurait tiré le poisson hors de l'eau avec sa télékinésie. Ouais, par contre je doute que la télékinésie aurait suffi. D10 en force, D12 en 4 prouesses. Ouais, c'est pas. Faut beaucoup plus qu'un D12 pour porter ce genre de machin. Oui. T'as tiré déjà la nouvelle. Ouais. Ouais, donc c'est à Myrtille. Putain, mais je suis encore dernier, quoi. C'est fou. J'ai l'impression que c'est tous les tours, t'es dernier. Oui, moi aussi. La session dernière, c'était pareil. Il en faut toujours un joueur. Va s'approcher de la lucarne où elle peut voir l'autre poisson gay. Je lui dis, vas-y, t'as le temps. Je le tiens. Voilà, il est en dessous de toi, donc... Enfin, Merti est en dessous de toi. Ah oui, c'est vrai, t'as l'étage en dessous. Ouais, mais est-ce qu'elle voit le poisson quand même? Oui, tu vois le poisson. Ouais, à tout moment, et là, à la fenêtre, t'auras plus de. Elle est au sous-sol. Ouais, elle est au sous-sol. Là, t'as plus de malus de couvert. Et elle a toujours cœur de géant, n'est-ce pas? Ouais. Tu es au canon? Tu es au corps à corps? Mais tais-toi, toi, c'est son tour. Alors, nous disions. Pas s'enlever aussi ta conviction. Double action, bratata. Bratata. Ça fait beaucoup de bratata là. What? Pourquoi il y a des dés qui se sont relancés en plusieurs fois là? T'as beaucoup essayé de lancer deux fois. Il y a quand même le dé qui a fait 16, en même temps. Ouais. Bravo. Là, active la conviction donc, pour les dégâts. Lancage de conviction, tu peux me la remettre s'il te plaît après. Ouais. Et c'est l'heure du duel. Bratata. Pas mal. Oh là là. Moi je dis ça essaie de combattre Mirkor, hein. Ça marche. Il y a un 4 techniquement il le fait en un tour, hein. Allez, dead. Ouais mais allez. Je lance quand même le reste de mes dés.
Juste pour le plaisir de dire, c'est ça? Non, c'est parce que je dois les lancer. Très bien. Il y a trop de blessures. C'est good. Je vais pouvoir prendre du coup notre cher Capichef. Qu'est-ce que j'ai été J'aurais peut-être pas dû le supprimer. Bah, je crois qu'il avait une blessure, le machin. Oui, il avait une blessure, oui. Il était secoué. Et j'aurais fait une petite caresse à Philibert avant qu'il disparaisse. Voilà. Je t'ai bête. Alors, ah bah c'est bien, il me l'a gardé. Alors, j'ajoute au turn order. Alors, donc, nouveau combat. Round 1, tu commences avec un joker. Oh. Attention, round 6, faut que je vois comment ça fonctionne exactement la noyade, mais round 6, tu seras considéré... Donc, attends. C'est retenir ses respirations pendant 6 rounds. Je pense que je prendrai en compte des jets de vigueur à partir d'au-delà de... Ouais. Au-delà des 6 rounds, ça sera jet de vigueur. Ok. Et bah, je profite d'avoir un joker pour le tabasser. Vu que j'ai encore mes bras libres. Merci le plus. Enculé. Bon, allez, il passe à 2 blessures. Normalement, il est robuste, donc je suis pas sûr. Ouais, ah si, ça, bah, d'accord. Il est censé être robuste, ça, pas censé faire ça, mais bon, on va l'accorder. Donc, hop, maintenant, c'est son tour. Il est encore secoué. Il est encore secoué, je n'ai pas de jeton. Nakai. Mmh. Continue de le tabasser. Oh, le combat de 6. Écoute, quand il sera mort, il te lâchera. Oh, mais non, non, non. Standing here. Oh, enculé. Oh, la vache. David contre Goliath. C'est David qui gagne. Sauf que là, alors là, gagne aussi, hein. Sauf que là, Goliath est Nakai. Est-ce que je peux ramener dans la Bible, c'est David qui gagne, pas Goliath. Nakai. Deux tours, il y a tout qui est mort. Nakai, tu es sous l'eau, tu as été emporté pendant 2 tours à sa vitesse. Tu vas devoir me faire des jets d'athlétisme à moins 3 à cause de ton armure. Ah oui, c'est vrai. Tu vas devoir choisir entre revenir sur le bateau ou lâcher le Merlin. Non, ou lâcher l'armure. Ou l'armure, oui. Et je ne lâche rien. Pour le moment, tu ne lâches rien. Je vais te demander un deuxième jet, pareil à moins 3. Et là, ploups. Ploups. Il te reste 3 tours à tenir encore sous l'eau avant d'avoir des jets à faire. Ce serait triste de mourir en mode Sonic. Allez, un dernier, vas-y, continue. 3 jets comme ça. 3 jets comme ça. C'est le moins 3 qui fait ça. C'est genre pour revenir à la surface ou un truc comme ça. C'est exactement ça. Donc il te reste encore, j'ai dit 2 tours, donc continue. Là tu n'arrives pas à avancer, tu commences à fatiguer doucement. Et tu fais mon cyber grappin. Non ! Le fumble ! Mais pourquoi tu fais autant de fumble, Arthur ? Pourquoi maintenant ? C'est la première fois que les dés m'abandonnent. Attends, sur ce genre de jeu. J'utilise Fénon sur le poisson pour qu'il aille chercher. Non mais attends. Mais ce n'est pas fini. De ton côté, Nakai, un jet de vigueur. Ça sent le poisson. Et si je survis au jet de vigueur, j'abandonne l'arme. vigueur. C'est où, c'est là? Moins quelque chose ou pas? Jet de vigueur, juste. Mais sur peinture, ok. Oh là là. Enculé. Je crois qu'il reste. Il reste pour l'instant. Je fais la planche. Il a refusé la planche. Tu vas mettre sous l'eau. En fait, il a menacé. Il a menacé très l'eau bien. Et l'eau lui a donné de l'air. Jet d'athlétisme à moins 3. Je demande 2 réussites. 2 réussites ou une prouesse. Ça te va ? La prouesse. Techniquement, il y a 2-1.
La prouesse est faite. Capitaine, tu sors la tête. Tu sors la tête sous l'eau. Putain de poisson de merde. Et bon, bien évidemment, t'as les membres de tous les équipages qui sont en mode « Ah, la capitaine est là !» Ils te balancent une bouée pour que tu puisses remonter. Et ils te tirent jusqu'à remonter. D'ailleurs, c'est vrai que tu n'es plus entravé, plus vulnérable. C'est une victoire. Le bateau est dans un triste état. Mais vous avez vaincu. Et on a deux gros poissons à manger. Il y en a qu'un seul qui est resté sur le navire. Les deux autres ont coulé. Il y en a un qui s'est changé en fromage et l'autre qui est au fond de l'océan. Ah merde. D'ailleurs, ouais, il va falloir faire le tri entre la viande et le plomb pour celui qui est dans la cale. Maintenant, je descends comment ? J'ai su monter grâce à l'adrénaline robotique. Mais au secours. Pendant un instant, j'ai hésité à plonger parce que je me suis dit, ok, moi je coule, mais au moins j'aurais pu lui amener, je sais pas, une corde ou une corde du navire ou un truc ainsi, tu vois. Tenez, je reviens à pied. Bah oui. Littéralement, je reviens à pied, moi. Le gars, il peut faire le tour du monde sans... il peut faire le tour du monde sous l'eau. Et qu'est-ce qui fait le tour du monde en restant dans son coin ? Une horloge. Quoi ? Ah non, c'était pas ça, c'était un timbre. La certitude avec laquelle t'as dit une horloge. Techniquement, elle peut faire le tour du monde en restant dans le coin d'un conteneur. Ça marche aussi. Ça marche aussi. Du coup, le cerf, il redevient petit. Ok. Ouais. Je le supprime, je le remets. Normalement. Voilà. Ren, je tiens quand même à préciser que t'auras beau essayer de buter la caille, tu pourras pas. Ren, il va commencer à mettre des mobs plus 4 juste pour toi. Sur toi, ils ont plus 4 à tout. J'arriverai à le buter, ton caille. Un jour, tu arriveras. Ben même avec un échec critique, ça passe, quoi. Ah, j'ai surtout été très sympa sur le... Je suis sûr que j'ai mal fait la règle de noyade en plus. Après, je reste un alligator, hein, donc... Oui, mais bon. Ah, j'aurais dû te donner un niveau de fatigue avec l'échec critique. Ah. Tant pis. Ouais, il aurait dû faire un jet d'athlétisme supplémentaire. C'est pas grave. Oh, comme il est heureux, ce dragon. Moi je vous le dis, avec l'adrénaline, Naka il va monter sur le bateau, à moitié essoufflé, il va regarder Nora ce soir. Snou. Parce qu'il a besoin de se reposer d'abord. Death by snou. Naka il va mettre une main sur le bastingage, il y a juste sa tête qui va se relever, il va regarder Nora. Nora il va la regarder. Quoi qu'il en soit, l'équipage te félicite, genre bravo capitaine, vous êtes vraiment. Non mais please. Arrêtez avec la sandboard. Bravo capitaine, félicitations d'avoir 1v1 un vortalisque dans l'eau. Il a pas 1v1, j'ai tiré dessus, c'est juste que je fais aucun dégât. Eh ben moi je vous dis, ces saloperies ont eu ce qu'elles méritaient. Ouais. Ce soir on s'est bouillabaisse. Ça vient quand même du gars qui a 1v1 un bateau. C'était une chaloupe. C'était un bateau. Avec 300 membres d'équipage. Quoi qu'il en soit, le voyage risque d'être rallongé du fait que le bateau a pris pas mal de dégâts. Pas bourré. Ça va vous prendre peut-être quelques jours de plus. Mais c'est quelques jours en plus. Jours en plus de moi. Le bateau sera réparé comme il faut. Enfin, comme il faut, comme il peut. Je pense que même que vous aurez fait un détour à Oveiron entre deux. Pour bien le réparer. Ça aurait pas fait de mal. Du coup, Myrti aura pu passer un tour voir la nouvelle boutique de ses sœurs. Ouais, c'est ça.
Et elles se sont bien installées, bien décorées. La clientèle est top. Je vais voir Katniss alors, j'en profite et je lui donne des cartes postales que j'ai pu récupérer. Oh, Ras, t'es mort. Il est mort, Jack. Il est mort. Il est mort, Jim. Il est mort, Jim. Il est mort et... comment ? Empoisonné. Empoisonné ? Empoisonné. 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 Faut jamais dire ça, ça réveille tout le monde. C'est ça. Du café. Du coup, pendant que eux, ils iront voir Katniss, elle ira faire les marchés d'Oveyron. Ok. Donc, je vais juste rouvrir du coup le calendrier. Vous étiez le 26 Ostmise, vous serez le 26 Purvémise, arrivé à Oveyron. Au lieu d'arriver à Vovros. Je vais aller chercher un tatoueur pour robot. Ça tombe bien, il y a Nazi qui s'est... Nazi, Zina, Zani, Zani. Oh putain. Il l'a dit le Non. Zani qui est bonne en dessin et qui est bonne en tatouage. Ouais. Sauf que je suis un robot, donc ça va pas coller. Donc il faudrait... En fait, c'est un engraveur. Oh bah, sticker, ça ira. Est-ce que j'étais en train de me demander justement. Tu sauras graver, oui, aussi, si t'as le matos pour. J'ai pas le matos pour. Tu l'auras. Moi, je suis plus spécialisé sur le dessin classique. Après, je peux voir qu'est-ce que je peux faire. Mais justement, si tu lui as demandé, elle ira chercher du matos à Oveyron, du matos pour graver sur des robots. Intéressant. Attends, la gravure, c'est un peu plus permanent, ça. Bah oui, c'est pour ouais, ça que... Ouais, mais dans le pire des cas, lui, il pourra changer sa peau. Déjà de 1, mais surtout que lui, il aurait bien voulu... Il peut pas vraiment mettre un tatouage, je pense, parce que c'est, bah, c'est sur la peau. Ah oui, d'accord, ce genre de... Je pensais que c'était pour faire du des petites runes encore pour lancer ses sorts. Non, moi, non, j'ai non, pas non. de sorts. Non, mais les sorts de... Ah, non, ouais. Les sorts des anis, non. Ouais, c'est ça que je pensais. Ouais. Que ouais, c'est sort, faut que je sois de manière générale, faut que je sois au cas, qu'il faut que je dessine sur la personne pour pouvoir lancer mes sorts. Soit sur moi ou sur les autres. Donc on a Myrtille qui est parti voir ses sœurs, Brutus qui est parti voir Katniss. Ouais, pour lui donner les cartes postales qu'elle m'avait demandé la dernière fois. Ok, Zani parti chercher du matos, Salomon et Nakai. Lui faire un petit coucou d'habituel quoi. Bah moi je serais allé me vanter à la taverne. Oh, tu m'étonnes. Non seulement j'ai coulé un bateau, mais en plus. Mais en plus. J'ai coulé un kraken. Un vortalisque. Autant il y en a qui te croiront pas, d'autres, mais autant il y a ton équipage, certains qui sont venus avec toi, qui sont là pour pousser l'histoire, embellir encore plus la chose. C'est bien mon équipage, ça. Et Myrtille qui dirait bien qu'elle en a plombé deux, mais personne peut l'entendre, elle. Oh, mais toi, t'as pas utilisé tes armes. Tu le raconteras à tes sœurs. Attends, non, elle a utilisé ses armes. Oui, mais elle est ouf à tes armes, oui, mais pas du corps à corps. Ah, oui, c'est vrai. Disons qu'il y a moins c'est de bonnes choses quand même. Spectacularité. Ok. Ah. Et Salomon, du coup encore réveillé. Oui, excuse-moi, j'ai zoné pendant une seconde. Tu fais quoi, toi, à Oveyron? Bah, comme j'avais dit, j'étais parti pour chercher après un truc pour engraver. Mais il y a Zani qui fait ça. Pour... Qui bah, fait oui, ça mais c'est cool. Bah, mais si tu veux m'accompagner pour. Chercher un bolter lourd pour me le coller sur l'épaule parce que ça commence à être. Je sers plus à rien en combat s'il n'y a pas des. Achète des ressorts comme ça, t'as plus de muscles. D'ailleurs, au passage. J'ai déjà amélioré ma force.
Vous pouvez repasser votre dé de richesse à D6. Ouais, il était déjà à D6, moi. Oui, moi aussi. Ok, si c'est le cas, ne bougez pas, sinon c'est à D6. Vu qu'un mois est passé. Et vous pourrez reprendre le voyage. Du coup. Je reviens au bateau et je fais bon, mais Katniss, comme d'habitude, est fatiguée, mais elle vous fait pas ce bonjour. tac. Du coup, je m'ajoute ma étiquette de gravure. Alors. J'imagine qu'il n'y a pas d'upgrade en plus que Myrtille peut tenter d'avoir. Là, c'est le Tommy Gun, c'est le top du top qu'elle peut avoir. Ouais, ouais, ça c'est vraiment. Bah, en plus, c'est une des armes les plus sophistiquées. Bah, c'est même l'arme la plus sophistiquée de cette ère. Vous reprendrez donc le navire. Vous aurez fait un petit détour par rapport à quelques tempêtes qu'il y avait dans le coin. Vous aurez le voyage qui aurait été très légèrement. Rallongé, vous avez fait un petit détour. Et à un moment, je vais vous demander un jet de perception, messieurs. Oh, je m'en... Oh. C'est les Vortalis qui ont ramené leur copain. Oh, je les massacre. Enfin. Ouais, fumble. Putain, ouais, putain, le deuxième de la session. Sérieux? Tellement de fumble dans cette session. Fais exprès, là. Arrête. Tu montes ton score un peu trop vite là, je trouve. C'est pour rattraper Brutus, il faut que je sois premier dans toutes les catégories. Tu sais que Brutus est à 7 et toi t'es à 6 du coup. Ouais, bah oui. Ok. Donc vous tous, vous aurez remarqué un petit quelque chose. Au loin, à l'horizon, alors qu'il n'y a pas réellement de terre à l'horizon, vous en constaterez que juste une au loin, sur une petite île pas forcément fréquentée, en tout cas inconnue de vos cartes ou quoi que ce soit, oh. Vous remarquerez comme un reflet qui va et vient, qui apparaît, qui disparaît, mais vraiment au niveau de cette île. Donc tous vous le remarquez sauf Nakai. C'est un mirage! Enfin, je veux dire, un oasis. J'ai la ref. Non, pas moi. Look, it's a mirage. I mean, an oasis. Du coup, tu dis quel niveau de quelle île? Une île qui n'est pas répertoriée sur la carte. Oh shit. Moi, je dis on y va. Oh. Merci est curieuse aussi. Et fait le neuf aussi, donc la vigie qui confirmera. Il y a un reflet étrange sur une île à bâbord. Enfin, à tribord plutôt. Je vais dire plus de tribord, ça sera plus logique dans ma tête. Bah allons-y. Qu'est-ce que le One Piece nous attend. Et quand on te montre Nakai, quand on te le montre, tu le verras le reflet, mais ça t'aura aveuglé. Là, et il tombe à l'eau. Encore. Et plouf. Naka, il boit, ça l'illumine. Oh, et là, il y a un autre Vortalis. Je vous ai raconté la dernière fois que je me suis battu contre l'eau. Eh, mon dieu, ça se rappelle le one kick que tu cherches là-bas. Mais non. Ah, vous approchez-vous de cette île. Tout va bien. La fin, il ne peut pas y avoir de soucis. Ok. C'est là-bas qu'est le scénario. Vous approchez effectivement du coup de cette île. Vous prenez cap vers elle. Petit à petit, vous vous approchez. Vous voyez que c'est une île pas vraiment grande. Hein. Facilement oubliable. Et donc avec quand même une flore plutôt vaste hein, pour une île. Et sur sa plage, en approchant petit à petit, et en plus en voyant aux jumelles, vous apercevrez un Loenkaz, barbu as fuck. Bon, sur le token que je vous présenterai tout à l'heure, il sera pas barbu, mais là il est barbu de fou, dans un piteux état, maigre comme pas possible. Il a empilé des cailloux pour écrire à l'aide, quoi, SOS. Aidez-moi. Visiblement, il est sur cette île depuis
pas mal de temps. Purée. Ah ben, on est descendu du bateau ou pas encore, non? On est encore dessus. On est juste en pour le moment, vous êtes encore dessus. On est en train d'aller sur le bord de la plage, c'est ça? De là où il est. Ouais, vous approchez petit à petit, c'est ce que vous voyez. Salut, Lévin. Il a Alfred, le ballon, qu'est-ce qu'il dit? Je comprends pas ce qu'il dit. Bah oui, avec Wilson. Wilson, le ballon. C'est Wilson. Ah, c'est Wilson, le ballon, pas Alfred. Wilson. C'est vrai, j'aurais pu faire une ref, mais bon. Wilson. Faut juste que je retrouve le token. Je vous mettrai le token dès que... Je l'ai retrouvé déjà, mais je vous le mettrai dès qu'il sera un petit peu plus présentable. Parce que bah, si on peut s'approcher avec le bateau, on s'approche, mais sinon on y va avec... Moi j'y vais avec la chaloupe. Vous approcherez avec la chaloupe au bout d'un moment, effectivement. Ouais. Bah si quelqu'un veut venir avec moi, je dis ça à tout l'équipage, hein. Je pense que ce bonhomme aura besoin de nous. Non? Bon, bah j'y vais tout seul. Bon bah, bon, tu sais. Bah écoute, il y a Verti qui regarde, il se dit c'est pas très pratique pour les prières quand même, c'est vachement grand. Hein, Brutus, ça c'est maintenant à moi. Oui, Brutus, tu y vas donc. Et le gars commence à te voir, il faisait des grands gestes et voyant que tu t'approches de lui, il se met à genoux visiblement content que quelqu'un vienne enfin le chercher. Ah, bah, je lui dis bonjour. Vous avez l'air d'être dans un sacré mauvais état, ça fait longtemps. En sphérien, je vais commencer. Eh ben justement, il te répondra en sphérien. Putain, enfin. Et il s'écroule. Genre épuisé, il s'écroule, il se laisse tomber. Je regarde s'il y a des soins à faire sur lui en urgence ou quoi. Vous auriez pas vu un Loenki? Non, c'est bon, je sais où il est, mais c'est bon. Alors, il n'a pas l'air blessé, juste vraiment, il a le poil miteux, une barbe de beaucoup trop de jours, beaucoup trop d'années. Est-ce des qu'il a griffes. L'air déshydraté ? Ouais, quand même un petit peu. Oui. Je lui tends ma calebasse. Non, mais là, il est inconscient, là. T'as merde, il est tombé inconscient. Un case. Et puis, monsieur Brutus, c'est pas sain de donner de l'alcool aussi directement à quelqu'un, assis. C'est sociable, je trouve. Elle serait allée voir aussi. Et donc les griffes sont très longues, j'imagine. Ou alors, ah, donc t'aurais accompagné Brutus, du coup? Ouais. Ok. En la nage. Bon, j'imagine que du coup mon sort de soin ne servira pas à grand chose sur lui. Là, il n'est pas blessé en soi, donc ça va. Ouais, il est surtout en déshydratation et manque de... Comment on appelle ça? Malnutrition, voilà. Ouais, malnutrition, déshydratation. Je vais le transporter jusqu'à la chaloupe. Mm-hmm. Et Torazani, du coup, qui va t'aider, je suppose. Ouais. Je lui dis, ramène-le sur le bateau, je vais voir comment est son camp, je vais voir si je peux lui ramener des objets peut-être qui sont personnels à lui. Alors, je vais essayer d'aller voir si je retrouve son camp à lui, peut-être qu'il avait peut-être un lieu de vie où il dormait, etc., j'imagine. Alors, ça risque d'être compliqué pour moi de diriger la chaloupe. Mmh. Ouais. Mais. Non, tu peux y arriver, je demande pas de jet pour ça. Ouais, non, mais j'ai qu'un bras pour diriger une chaloupe. Ah oui. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Après, t'as deux pieds aussi. Mais de toute façon, tu vas pas partir sans lui, il va juste chercher ses affaires qu'il n'a pas vraiment, puisque tu trouveras effectivement une cabane de fortune. Avec une sorte de bâton pour faire broche à poisson. Vraiment le nécessaire de survie. Ouais, il a pas de, il y a rien d'avoir de personnel. Il avait rien. Pas de sac ni rien. Ok. Pas de sac, rien. Peut-être quelques vieux vêtements, mais. Ouais. Bon, je lui prends les vieux vêtements au cas où qu'il y tienne. On sait jamais si ça va partir avec quelqu'un à lui ou quoi. Et vous revenez sur le navire. Je reviens avec lui sur le navire. Juste avant, je vérifie quand même qu'il soit pas genre qu'il soit pas malade ou qu'il ait rien de. Fais-moi un petit jet de soin pour l'ausculter. Moi, je peux le faire aussi, hein, d'ailleurs. Vous pouvez tous les deux. Ouais. Alors, avec une aide. Je propose que je te fasse une aide. D'accord, parce que moi j'ai un D6. Hein, ouais. Ah d'accord. Okay. Je sais. Et c'est pour ça. Ah oula. Ah bon. Oui.
Un beau plus, aussi, un beau plus 1, beau plus 1. Ah non, c'est le jeu des jokers qui a fait des 6, ok. Bon, bah, oui. Plus 1 alors. Hop. Si tu fais que moi, puis... Ah, ah bah là, c'est mieux. Pardon. Ah, 8. Le plus 1 qui aide. Il ne semble pas malade, juste vraiment, comme je l'ai déjà dit, en sous-nutrition et déshydratation. Il n'a pas l'air de souffrir de quelques maux, il n'a pas l'air d'avoir de fractures ou autre. Vraiment, il a surtout besoin de repos et d'une bonne alimentation. Ok. Et bon, d'une hygiène parce qu'il pue sa mère. Ah ben, bon, ouais. Je coulerai un petit instant et puis après je le remettrai. Sur le bateau. Je me occupe s'il faut, je peux boarding, là. Oui, vu que je suis... à la base, j'étais marchand d'homme, donc s'occuper des gens, c'est censé, je suis censé être doué à ça. Oui, bon. Vous le ramènerez sur le bateau, du coup je le ramène. Vous le ramènerez sur le bateau. Il sera mis dans une pièce et quelques membres des équipages s'occuperont de lui le temps qu'il se. Et donc Salomon, pourquoi pas aussi, le temps qu'il se remette totalement sur pied. Zanier aussi passera de temps en temps le voir comment il va. Pendant des années, je me suis occupé de mon maître qui était complètement devenu gâteau. Il ne dira pas grand-chose au tout début, mais les premières choses, dès qu'il a pu commencer à remarcher, donc très, quand même assez rapidement, hein, après un bon sommeil, peut-être le lendemain, je dirais le lendemain, il se sera levé, il se sera fait une petite hygiène, il se sera rasé la barbe, et je vais pouvoir mettre son token, il ressortira avec un torse... Ouh, quel BG. C'est dommage. D'un seul coup, c'est en mode « Bonsoir ». Bonsoir. Bonsoir. Je suis Santiago de Cuba. Pourquoi il y a le charcoté d'un seul coup sur le navire C'est trop. Et j'adore ça, la tcha-tcha-tcha. Lui, il est venu pour choper vos gonzesses, alors attention. Il vous remerciera. Il vous remerciera chaleureusement. Merci de m'avoir secouru. Ouais, de rien. En plus, surtout que les autres, ils n'étaient pas motivés pour. Donc. En quelle année on est? Comment ça, pas motivé pour? Hein? Non, rien. 2024. On est en... Attendez que je check un petit peu notre calendrier. J'ai fermé la carte. Non, 1293. Merde. 1293, putain de merde. Ça fait 10 ans que je suis là. Merde, j'allais justement dire, laisse-moi deviner, ça fait 10 ans. Dégoûté. Qu'est-ce qui s'est passé? Visiblement, ça fait 10 ans qu'il est ici. Oui. Merci, il a capté le vieux. Il n'y avait pas une histoire de 10 ans avec le background de quelqu'un. Mais du coup, il parle en sphérien, on est d'accord? Là, il parle en sphérien, vu que vous parlez sphérien. Ok. Je lui dis, mais comment vous êtes arrivé sur cette île tout seul? Vous avez fait naufrage? Attends, j'ai pas révisé mon background. Ah ouais, mais c'est bien à peine que vous soyez là. Bon, mais partez dans votre cabine, refaites une et revisitez. Alors il va se mettre de l'huile sur le torse. Le temps que tu relises le background, je vais faire un rapide tour aux toilettes. Ça marche. Ça te va. Pas possible ça. Irrespectueux ces personnages qui connaissent pas leur lore. Sinon vous auriez vu un loin derrière l'oreille. Ah oui. Donc il a une plume derrière l'oreille. Ah, c'est déjà passé par là. J'ai ah non mais oui mais il y en a qui sont partis donc oui. Il faut que je les attende. Parti aux toilettes. Parti aux chiottes. Je suis Santiago de Cuba. Je suis le roi de la rumba. Et je fais du check check boom check check boom check check boom. Et check wow. Bon check wow wow. Check check check. Ça passe, je freeze. D'ailleurs, j'ai oublié de demander, mais
Du coup, ils s'en sont vraiment bien sortis, le reste de l'équipage avec les gros navires. Il n'y a personne qui s'est fait de grosses blessures. Si, il y aura quand même eu quelques randoms qui se seraient fait bouffer. Non, wow. Jean-Mini 48. Non, PNJ 42. Ça veut dire... Ah, mais des randoms, pas dès qu'il y a des tokens. Ouais. Ah, alors, du, bah, du coup, je suis triste. Moi, je suis triste quand il y a des randoms sans nom qui meurent. C'est vrai. Un peu de respect pour les sans noms. Bah ben oui, mais je suis sérieux. Hein. Moi j'étais dégoûté game, quand elle était morte, la random otage là. C'est vrai. Elle a rien demandé. Moi je suis le genre de personne quand t'as genre, oh mon dieu, un personnage secondaire est mort dans un film. Oh, oh mon dieu, on voit en arrière-plan un mec qui marche sur une mine, et on sait pas c'est qui, il a jamais eu de ligne de dialogue. Non. Loupi qui nous rappelle dans l'écouteur qu'il y a une poule qui est morte. Bah oui. Et ça on l'a pas pleuré non plus. Ah bah elle l'a cherché. Ah, voilà. Donc, il dira que bah, il a fait naufrage il y a 10 ans de ça après avoir quitté Volaris. Allô? Oui. On attendait la suite en fait. Ouais, et là, il, pour le moment, il dit que ça. Ah. Hey, mais Volaris, c'est chez moi, ça. Mais c'est chez moi. Il parle quelle langue, d'ailleurs? Là, il parle en sphérien. Toujours en sphérien. Donc, attends, il a dit qu'il devait aller à Volaris? Non, qu'il venait de Volaris et qu'il a fait naufrage en partant de là-bas. C'est quoi, ton... Et qu'il voulait prendre, la route vers Oveyron. Il s'appelle Robinson. Ah. Ah, vous vouliez aller à Oveyron? Ouais. C'était quoi votre but pour y aller? Ben, rentrer à la maison. Nous, on vient, là, justement. Rentrer à la maison. Vous avez été là-bas? Ouais. Je suis pirate, à la base, ouais. Ben, ça tombe bien. On en a qui sont morts en chemin, donc on a besoin de gens pour travailler sur le navire. Oui, oui. Oh là là, comment recruter des gens? Il y a des gens qui sont morts, tu veux bien les remplacer au cas où? C'est quoi le nom de votre bateau? La grande gueule. C'est une offre alléchante que vous me faites là. Mais j'ai d'autres projets actuellement. C'est-à-dire que j'ai déjà un capitaine et je compte bien... Ah, et c'est qui ton capitaine? Et c'est quoi ton nom? Je m'appelle Esteban. C'était sûr. Alors, j'espérais un autre nom, malheureusement. Je vais le tuer. Mais comment? Pourquoi je vais le tuer? Macias Tolivar. Et j'étais un des membres d'équipage du célèbre capitaine Alduin. Le dragon? Le dragon... Non, pas le dragon. Non, pas le dragon. Non, justement. Justement, il fait partie de l'équipage qu'on cherche. Ah bon? Alduin? Bah oui, parce que Macias Tolivar, celui qui est recherché, fait partie de l'équipage d'Alduin aussi. Disparu depuis une dizaine d'années. Ça fait beaucoup, là. Pa-pa-pa-la-pa. Oh mon dieu, tout est lié. Attends, j'essaie de retrouver mes notes où j'en étais sur ça. Tes notes, c'est de l'alcool, c'est de l'eau. C'est ça, c'est les seules notes que j'ai de tout le JDR. Macias Tolivar, équipage d'Alduin. Disparu depuis 10 ans. Je crois que c'est le seul truc que j'ai pas dû noter, ça. Bah, je vais regarder, c'est un nom je plutôt connu noté sur les mers. Je l'avais noté sur la fiche de race. Ah! Oui, Alduin était assez réputé, en effet. Mais je sais pas trop ce qu'il est devenu, malheureusement, en 10 ans. Bon, de ce qu'on entend, ça fait 10 ans qu'il a disparu. Vous avez fait naufrage? On a fait naufrage. Enfin, c'est une longue histoire. En fait, on avait un coup à faire à Eliatora à l'époque. Et Alduin était parti avec un de ses membres d'équipage pour un coup. Et il s'est fait prendre, mais mon collègue est revenu ensuite et on a fui.
On a fait naufrage pour jusqu'à Volaris et on était les deux seuls survivants. On a essayé de se... On a ensuite essayé de fuir, mais il a été capturé et moi j'ai réussi à fuir. Je devais retourner à Oveyron, mais j'ai fait naufrage ensuite sur cette île. Et actuellement, mon compagnon doit être le seul à savoir où se trouve Alduin. Mais il est possiblement enfermé à Volaris. Et en 10 ans, je ne sais pas ce qu'il aurait pu se passer. Ça chaille, hein. T'as Volaris. Oh, c'est là. Volaris, c'est en bas à gauche de la map. Ouais, ouais, je vois ça. Pas que je portais Sloenki à cœur, mais ça restait quand même un bon camarade. C'est un bon camarade. C'est un bon camarade. Bah, de toute façon, on va aller d'abord à Vovros, alors. Hop. Bah, on pourra vous déposer peut-être à Volaris si un jour on est motivé pour y aller. Hein, mais... enfin, après, je sais pas pour vous. J'avoue que ça pourrait être très intéressant de libérer mon camarade Mathias pour savoir où se trouve Alduin. On a d'abord une mission à faire à Beauvros, d'accord. Il faudra faire une soit vous restez patient avec nous quand vous attendez qu'on finisse notre escale, soit vous devrez vous débrouiller une fois arrivé à quoi. Loupi, je te répondrai plus tard. On est en plein blabla pour le moment. Donc c'est vous très qui voyez soit écoutez, ça fait 10 ans que j'attends. Je peux bien attendre quelques journées de plus. Ouais, surtout qu'en plus, Volaris, c'est loin. Hein. Volaris, c'est très très loin. Ça a plus de 1000 km. Mmh. Ça va mettre facilement 2 semaines environ. Mmh. Vu que pour 2000 on a fait un mois, là pour 1000 on a pour 2 semaines facilement, donc on doit mieux se faire une grosse préparation à Vovros, faire ce qu'on a à faire là-bas, puis on reviendra à Oveyron en passant, et puis peut-être qu'à Oveyron il y aura quelques équipages qui vous reconnaîtront aussi. Parce que vous étiez pas très loin d'Oveyron, on était à combien de kilomètres d'Oveyron là? Enfin, combien de temps? Vous avez quand même fait un bon détour, donc c'était quand même à quelques dizaines, peut-être centaines de kilomètres d'Oveyron au large. Ouais, mais c'est pas si loin. C'était pas très loin. C'était pas très très loin, certes, mais ça restait paumé quand même. Oui, oui. Oui, quand même. Ouais. Donc oui, peut-être qu'avec un peu de chance, il y a quelques-uns qui sont restés à Oveyron ou dans des îles autour. Vous verrez. Hein. En tout cas, on ne peut pas détourner pour l'instant de Vovros. On est obligé d'y aller. Non, mais je vous accompagne jusqu'à ce qu'on retrouve Mathias. Très bien. Ouais, Mathias, Mathias Tolivar. Hein. Vous le connaissez? Il a été recherché par des militaires. C'est, il est d'environ d'une vingtaine d'années, c'est ça? À Loanki? Maintenant, il est plus d'une trentaine. Quoique, ouais, non, 25 à peu près, 25 ans. La dernière fois, c'était Ketis qui nous en avait parlé, donc Ketis, ça pourrait peut-être vous donner des indices sur lui. Il a été vu il y a quelques années, mais je ne sais plus où. Moi, c'était très certainement à Oveyron, mais maintenant, il doit être encore à Volaris. Attends, ma sieste, attendez. Non, c'est pas lui, c'est bon. Non, on l'a pas vu encore. Non, c'est pas celui qu'on a tué quand on est arrivé à Oveyron, non, c'est bon. Non, mais oui, c'est... Oui, c'est... En fait, il est mort. Non, mais Mathias Tolivar, ouais, mais on en avait entendu parler de par Ketnis. Il nous avait donné l'info comme quoi il était recherché par des militaires. Et il a été vu il y a quelques années, donc j'imagine que c'était il y a moins de... Enfin, que du coup, il a survécu au naufrage, quoi. Et oui, il a survécu au premier naufrage qui menait jusqu'à Volaris. Mmh. Mais le deuxième naufrage, lui, il n'était pas dans le navire. Il a été capturé avant de partir. Ah, d'accord, ok. Je crois qu'il s'en est sorti, vu quoi.
Bon, bah, lui, Mathias est enfermé dans une prison à Volaris, actuellement. Enfin, aux dernières nouvelles. Ok. Là, par rapport aux dernières nouvelles qu'il avait, lui, c'est pour ça, en fait. Parce que vu que lui, il a eu les dernières nouvelles, c'était il y a 10 ans. On est d'accord. Voilà, parce que moi, la dernière fois que j'ai eu, c'est qu'il a été vu il y a quelques années. Et je sais pas si c'était il y a 10 ans contre quelques années. Pour moi, quelques années, c'est pas une décennie, quoi. Mais aussi, il y avait la marine sphérienne. À un moment, on s'est fait accoster par la marine sphérienne. Oui, c'est pour ça. La marine, en fait, cherchait Mathias Tolivar depuis un moment. Donc, à mon avis, il s'est enfui. Hein. Il a dû réussir à s'enfuir, du coup. Pas certain. Si les militaires le recherchent... Ça fait très certainement plus de 10 ans qu'il la recherche. Il la recherchait déjà il y a 10 ans. Après, est-ce qu'il est possible... Je connais pas vraiment les relations qu'ont les... diplomatiques. Oui, je me souviens plus les relations diplomatiques entre les Volariens et les Sphériens. C'est vrai que peut-être que les Sphériens les cherchent alors qu'ils... Les Volariens sont neutres. Les Volariens sont neutres, mais ça veut dire que si jamais la marine sphérienne dit... Et au fait, on recherche ce gars-là. Si les Sphériens demandent aux Volariens, est-ce qu'ils ont un prisonnier nommé Mathias Tolivar, est-ce qu'ils vont leur dire oui? Ils vont surtout lui dire il a fait des conneries chez nous, il reste chez nous. On le punit à notre manière. Mais dans ce cas-là, si jamais ils disent ça, il n'y a aucune raison pour que la marine le cherche partout. Ouais, donc à mon avis, c'est qu'ils ont gardé l'info. Hein. Ils ont gardé l'info, du coup. Ou alors, ils n'ont pas voulu partager l'info. Soit il s'est enfui. Ou alors, les Sphériens n'ont même pas demandé parce qu'ils ne savent pas qu'il est là-bas. Ils auraient peut-être demandé aux différents pays du monde hein, qui sont avec qui ils sont neutres ou ils ont une relation. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ça fait 10 ans qu'il ça fait bien une dizaine d'années qu'il le recherche. Il a fait quoi au fait pour être aussi recherché par les militaires en plus? Techniquement, il n'est pas recherché par les militaires, il est recherché par un militaire. Ah, qui ça? Wow. Oh. Ben, le volarien qu'on avait vu. Je pense, ouais. Je veux qu'il le dise. Ah, un volarien. Enfin, un Glazar. Le capitaine, je retrouve son nom. Le capitaine, c'est celui avec qui j'ai sympathisé? Dalgrador. Ouais, c'est celui avec qui j'ai sympathisé. Son père. Et... Dalgrador? Ouais, mon cerveau, il vient d'exploser. Ouais. Depuis le début, on est dans une vendetta familiale. D'accord. Moi, je pensais que c'était... D'accord. Attends, non. Ouais. Non, mais attends, c'est un Glazar ou d'accord d'or? Ouais. Alors, on a dit que l'interracial existait. Bah oui, parce que j'allais dire Mathias, c'est un Loenki. Ouais. Et alors? C'est peut-être un... Je veux dire pas là, c'est peut-être un... Il a soulevé une chienne, c'est tout. Tu peux avoir un enfant avec une femme et l'enfant ne sera pas de ta couleur. Ah oui, non, mais c'est vrai que la Tarasia, ça fait... Dis le plus fort pour les modérateurs Twitch. Écoute, tout simplement, Nakai se tape Nora. Voilà. Oui, non, mais oui. Oui, mais après, non. Alors après, ça, j'ai envie de dire, on s'en branle. C'est surtout dans le sens où... Voilà, c'est que Nakai peut avoir un gamin avec Nora, surtout. C'est ça qu'il faut que tu retiennes. Oui, voilà. Oui, parce qu'il y a une différence entre... que ça fonctionne et que ça fasse net, quoi. D'accord, bon ben. Eh ben, c'est une sacrée querelle quand même de familiale, ça. Parce qu'il mobilise des hommes quand même pour rechercher son fils, c'est chaud. Ouais, je vous le fais pas dire. La raison qu'il utilise pour ça, c'est quoi déjà? Parce que nous, il nous avait pas dit la raison. C'est vrai que quand j'y pense, il nous avait dit qu'il recherchait tel gars et on lui avait demandé pourquoi, il avait dit que c'était. Il me semble qu'il avait dit que c'était secret, non? Un truc du genre. Donc c'était, j'en sais fichtre rien. Vous penserez à le redemander quand vous le croiserez. Oh bah oui. Bon, il le redemandera.
Si un jour on le recroise, on l'avait croisé en mer de Korra, là, au-dessus de Korra. Il me semble que c'était ça, hein. On l'avait croisé au nord de Korra, non? Non, on l'avait croisé à Auvéron. Non, on l'avait croisé au nord d'Auvéron. Ouais, au nord d'Auvéron, on faisait des tests de bateaux. Ah oui, c'était au nord d'Auvéron, oui, pardon. Ouais. C'était au nord d'Auvéron, tant pour moi. Ce spécial, il se baladait encore dans Perpicis. Hein. Ah. Et autrement, quelles sont les nouvelles du monde en 10 ans? qu'est-ce qui a changé en 10 ans? elle le mettra à jour sur les nouvelles. Il y a des malades mentaux qui ont braqué un train pour une émeraude à la con. Il y a un groupe de tarés qui ont volé l'émeraude. Le joyau de l'univers. Là. L'émeraude d'Ennis. Ouais, c'est ça. Rien que ça, eh ben. Ah, c'est fou. Il y a une explosion nucléaire sur l'île de des Drelaks. Ah, c'est vrai que bon, ben, Drelak, apparemment, c'est. Non, ça, c'était il y a 20 ans. Oui, parce qu'ils ont trouvé l'œuf de. Je sais pas si ça a été annoncé ou non. C'était il y a 25 ans, si, il était déjà là. Attends, l'île du perfectionnement, c'était il y a 25 ans? Oui. Ah, ils ont bien vécu. Dustin, il a rien grand-père maintenant. 23 ans, je sais plus ce que j'avais dit. Et après, il est toujours en train de bêcher le cul de la princesse. ça veut dire Dastan, il... bah non, attends, 25 ans. C'est comme ça, il est vieux. Dastan. Il a la cinquantaine. Il a la cinquantaine. Plus 25. Au mieux, il est grand-père. Il a 43 ans. C'est-à-dire, il a toujours son restaurant, et puis techniquement, il est toujours avec. J'ai oublié son nom. Ça fait trop longtemps. Avec ça et là. J'ai oublié aussi. Sarai. C'est pas une princesse. Si, c'est la princesse de Relika. Il y avait la princesse Sarah, mais ça, c'était Abraham qui était avec. Oui. Non, c'est ça et là. Non. Ça et là. Il y avait un Wa dedans. Où il y avait un Wa. Ah, Saloua. Non. Saloua, voilà. Mais c'est ça, Saloua. Et qu'il a eu 5 enfants directement en sortie. Bla. 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 Mais du coup, ouais, elle le mettra au jus sur les actualités qu'elle connaît. Non, Shafira, c'était une autre, je crois, Loupi. Shafira, c'est celle qui s'est fait. Oui. Oui, elle s'est fait buter par les individus. Buter par derrière par Garret. Non, n'en parlons plus. Voilà. Ça a été un épisode assez traumatisant. En attendant, Esteban remerciera gentiment Zani. C'est pas compliqué, putain. Oui, Zani. Mais attends. Zani. Ouais, oui. Ouais, tu changes de lettre quand même, hein. C'est chaud. Ils échangent de positionnement, c'est bon. Hein. Je veux être sûr qu'il n'y ait pas de malentendu. Zani. Oh, ça Zizani. Zizani. Ah, merci. Moi, Zaz. Merci, Zizi. Zaz. La chanteuse. J'avais demandé un changement de nom. Utilise un jeton. Je me fais absolument pas respecter. Merci, madame. Reine, je prends. Voilà, et là, je suis dans le RP. Me parle pas à moi, parle au monsieur qui te demande ton nom. Pardon. Ah, madame. C'est un PG comme ça. Combien vous paye-t-il? Tu sais quoi, attends. Pardon. Attends. Je vais lancer un petit dé. Combien qui me paye? Non, c'était Félon. Tu sais, je mets Félon à lui. Je fais alors, dis-moi tout. Moi tout. Voilà, c'est bon, les gars, il est avec nous. Il veut pas répondre à sa question, hein. C'est fou. J'ai space pendant deux secondes. Madame Zani. Et j'ai répondu du coup à cette question, j'avais déjà répondu. Ouais, mais t'avais dit, attends, je lance un dé. Oui, non, mais Zani. Ouais, parce qu'il avait dit, merci madame.
Zani. Madame okay. Zani. Très bien. Eh ben, enchanté. Et merci. Mais de rien. Et si ça ne vous dérange pas, j'aimerais continuer de me reposer un peu. Oh ben, vous en avez surtout besoin, parce que sinon, vous allez claquer. Ça fait 10 ans qu'il en boit pas une sur 9. Ça fait surtout 10 ans qu'il est en malnutrition, le pauvre. Oui, oui. Le mec, il a la peau sur les os, quoi. Si vous permettez juste que je puisse me nourrir un peu avant d'aller me reposer. Ma cuisine est votre cuisine, hein. Il va prendre un poulet qui aura été cuit, bien évidemment, mais un poulet entier. Non, pas Gertrude. Gertrude, sans sacrifice, ce sera pas un poulet. À tout moment, je me transforme en coq. Et il partira se reposer. Je ferai ensuite une petite ellipse jusqu'à Vauvros. Ok. Mm-hmm. Et on va aller péter la gueule du mafieux. Fin de session. Ouais. Et... pas beaucoup d'actions dans cette session. ouais, c'était un peu c'était un peu relax cette session. Pour une fois qu'on balance la carte renfort. Je crois que ouais, elle est pas souvent utilisée. Putain, c'est la première fois, je crois. Attends, putain, on a oublié d'utiliser renommée. Et renommée de quoi renommée de quoi renommée face aux poissons ou à Bikini Bottom. J'ai quand même Nakai qui a 1v1. En fait, j'ai hésité à l'utiliser tout à l'heure dans la taverne, mais en fait, quand j'ai lu ce qu'elle disait, je me suis dit ça. Ouais, ça marche pas. C'est ça. On va faire une bonne action significative. Une bonne action significative. J'ai buté un monstre marin à main nue. C'est pas une bonne action. C'est juste une action. C'est une bonne action. C'est un de moins qui attaquera les bateaux. C'est surtout qu'on s'est défendu, c'est différent. Surtout ça. Non, ferme-la. C'est une bonne action. Bien, messieurs. Fin de session, du coup. En espérant qu'elle vous a plu. Oui, on a sué. Vous vous assuyez tout seul. Mais techniquement, vous avez réussi à faire durer la session. Je pense pas que j'aurais fait durer aussi longtemps si j'avais laissé la session calme. Ah oui, on serait arrivé au verron, on aurait vu le gars, il aurait fait Wang. Wang, Wang, le non-respect là. Bebouchan, ça fait 10 ans, je suis. Ah merde. Bon, allez. À tout casser. Je vais me mute le temps de dire au revoir. Je vous laisse dire au revoir avant cela. Au revoir. Au revoir. Merci pour les bénis. Et reste merci pour les cartes aventures. C'est toujours ça de moi pour avoir le penchant amoureux. Le penchant amoureux. Ah, mais faut savoir que je mélange. La prochaine fois sera la bonne. Ah bah, y a intérêt parce que la prochaine fois ce soit la bonne vu toutes les cartes qu'on a bouffées. Donc lui il en restait beaucoup. Allez. Non, à chaque fois il remélange. Je suis mute. Et merci aux viewers d'être restés aussi longtemps. Rendez-vous jeudi pour les premières créations des personnages pour le team. La saison 5 du tournoi Intermultiverse. Pour plus d'informations, vous pouvez aller sur le Discord. Normalement, il y a les liens quelque part, je ne sais plus où, mais dans la description quelque part. Et je vous dis à la prochaine, à jeudi pour les inscriptions du team et à lundi pour la suite du JDR si tout va bien. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.